Bonsoir, bonsoir. Je mets la lumière sur vous. Je demande que le Saint-Esprit vous éclaire, que nous recevons la direction. Et que les paroles que je vais donner ici puissent vous donner la affermir votre foi. Donc vous allez voir que aujourd'hui je suis en couleur. On joue tout à l'heure. Le Cameroun joue. On doit checker les gens qui sont au stade là. Vous avez des passeports européens, vous venez au stade, vous faites comme si vous êtes Camerounais. On sait que vous n'êtes pas Camerounais. On doit checker. Avant de dire que je suis Camerounais, on doit voir si tu es vraiment Camerounais. Quand le corona a déclenché là-bas, tout le monde, vous avez fui le pays, vous allez se là-bas seul. Ouais, ça c'est un coup de gueule là. Oui, allô? Bonjour madame. Vous avez pris ça en ligne, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. La boutique à Abidjan est à Bellecôte et je ne travaille que sur rendez-vous. Donc, si c'est pour me rencontrer, actuellement les consultations c'est 50 000. Mais vous devez au préalable commencer à vous laver avec le sel. Est-ce que vous lavez avec du sel? Ok. Donc c'est 50 000. Bellecôte. Mais c'est pas ouvert aujourd'hui à cause du match. Donc ce sera demain. D'accord. Donc la promotion se termine mercredi. Et après ça, c'est 80 000. Oui. Donc vous écrivez ici sur WhatsApp. Les secrétaires vont prendre. Ok. Sur WhatsApp, oui, c'est ça. Merci. Bye bye. De rien. Tout ce que je fais, Dieu dedans. Mais Changi, on va gagner, non? Est-ce qu'on veut même convaincre quelqu'un? On n'est pas en train d'essayer de convaincre les gens. Quand vous savez que vous allez gagner, vous allez gagner. C'est pas. C'est une évidence. Bon, cet enseignement est nécessaire, hein, donc persévérez. Annoncer que je suis en direct. Oui, j'ai choisi le deuxième look. Regardez. J'ai mis avec une culotte. Mais pas la culotte. C'est ça. Bon, ça peut tourner dans ma tête, je parle avec l'autre tout à l'heure. Hein. On n'est jamais sûr avec moi. Je change d'avis. Je fais selon ce qui me chante. Je crois que vous en parlez. J'en parlais hier, je pense. Bon, l'enseignement que j'ai donné aujourd'hui n'est pas très, 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 très apprécié. Donc, envoyez 30 000 francs à la dame du matin.
J'ai remarqué que beaucoup, il n'y a pas de sens. Même ce que tu dis n'a pas de sens pour moi. Donc, il n'y a pas de son ou il n'y a pas de sens. Bon, j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment de base pour leur vie. Les gens ne savent pas ce que c'est que le caractère. Les gens ne savent pas ce que c'est que le caractère. Que le Saint-Esprit me permette de passer ceci. Ok? Que le Saint-Esprit me permette de passer ceci de façon claire. Voilà. La priorité de tout le monde, c'est pour certaines personnes de devenir riche. J'allais dire pour tout le monde, mais je modifie. Et nous sommes dans une société où c'est rare de trouver quelque part quelqu'un qui va te faire avoir de bonnes valeurs. Et on peut savoir ce qui est bien, mais on ne fait pas ce qui est bien. On peut savoir, parce qu'on a été à la catéchèse, on a eu une histoire sur la toile avec quelqu'un qui marche, il menace les gens, il viole les gens et tout comme ça. Ceux qui sont ses complices savent que ce qu'il fait n'est pas bien. Facebook, vous m'entendez? Parce que chez moi, ici, là, je vois le micro signal que ça marche. Bonjour, Johnson. Bonjour, Bibi. Bonjour, bonjour. Connaître que quelque chose n'est pas bien. Mais tellement de personnes font le contraire autour de toi. Tellement de personnes. Hein? Tellement de personnes font le contraire. Tellement de personnes montrent le contraire. Que tu finis par te dire, peut-être que c'est bien, hein? Peut-être que c'est bien. Et un jour, tu te lèves, tu dis, faisons. Vous voyez un peu? Les réseaux sociaux peuvent influencer une génération. Sans le savoir, vous êtes en train de donner une direction à votre vie qui est influencée par des influenceurs qui sont là dehors, qui eux-mêmes ne savent pas où ils partent. Des influenceurs qui sont dirigés par des personnes qui ont pour but de vous bloquer. Tu te lèves, tu vois que quand ah tiens, ils se sont mariés. Ah, il faut qu'ils pensent à me marier. Mon dragueur que je n'aime pas trop là. Je sais qu'il veut m'utiliser. Il faut aussi que j'accepte. Il faut que j'accepte. Parce que tu as vu trois posts sur TikTok où la fille est en train de monter sa blague. Et te voilà. Bonsoir Kayla, comment tu vas? Mon numéro est sur la page TikTok. Ok?
Comme vous avez confirmé que vous m'entendez, je continue. On va voir le match tout à l'heure. La moyenne des jeunes que j'emploie, ils sont manipulateurs, ils ne savent pas contrôler leurs pulsions. Contrôlés par les pulsions, ils sont contrôlés par leurs pulsions. Ils mentent. Ils mentent exagérément. Et dès qu'ils remarquent qu'un autre employé travaille plus qu'eux, ils sont jaloux ou ils veulent les saboter. Je me suis dit, il faut que je vous parle du caractère. Le caractère n'est pas héréditaire. On ne naît pas avec. Le caractère prône sur la richesse. Tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il voit quelqu'un qui a des principes. Il voit un homme de caractère ou une femme de caractère. Même s'il snob la personne. Parce qu'avec son argent, il n'aura jamais besoin de lui. Mais quelque part dans son cœur, il s'est dit « Waouh !»« Waouh !» J'ai voulu l'acheter, je lui ai proposé l'argent, ça ne lui a rien dit. « Waouh !» Nous sommes en train de perdre nos jeunes aujourd'hui. Bah, souvent, il y a des gens qui voulaient les loges, là, qui font des publicités sur la page. Tu vois, par exemple, il dit que je rejoignais, nous, vous allez devenir riches. Les jeunes sont dit, là, je suis intéressé, je fais comment pour entrer. Aujourd'hui, c'est devenu normal. On te dit, oh tiens, comme tu as vu, qu'est-ce qu'il fait? Je vais prendre un artiste. Je vais dire 3-4 noms, juste pour qu'on ne croie pas que j'indexe quelqu'un. Prenons Jay-Z, on prend Beyoncé, on prend Rihanna, ok? On prend Messi. Qu'est-ce qui fait que ces personnes sont des stars? S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, elle ferait ses concerts là-bas aux États-Unis. Il ferait son match là-bas, tu n'allais pas voir, non? Ils ont pris une face de la personne. Ils sont venus mettre devant toi chaque jour. Tu entends parler à la télé, tu vois sur TikTok, tu écoutes, tu vois sur Facebook, tu vois. Finalement, tu te dis, j'aime quand même, j'aime son habillement. Hein. C'est un habit que quelqu'un d'autre a pris pour elle. Et la danse aussi, la façon dont elle danse, ça me plaît. Elle est un chorégraphe. Les choses qui font qu'on puisse... Vous restez comme ça, vous dites que je veux ressembler à telle personne. Tu ne sais même pas pourquoi tu veux lui ressembler. Parce que vous ne connaissez pas les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parfois, vous restez, vous dites que waouh, j'apprécie telle personne. Toutes les personnes que vous appréciez, demandez-vous, est-ce que vous connaissez leur histoire? Vous connaissez quoi d'eux? Merci, le roi Xavier. Et on est bien manipulé sur la toile. Hein. Ils nous font croire ce qu'ils veulent. Un jour, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait qu'ils ont des réseaux, une agence. Ils ont des salles avec des téléphones, plein de téléphones. On veut lancer une propagande, une nouvelle, une rumeur. On lance, telle personne reposte. Te voilà, tu prends la crainte. Tu commences à faire.
Il y a une retraite que vous avez fait, vous ne savez pas qui a lancé. C'est le jour où tu tombes sur la vidéo de la personne, 6 mois plus tard, tu dis que, ah, donc c'était la personne-ci. Tu tombes sur son snap, DJ Khaled. Il fait, il filme. Il montre comme il est devant la piscine. Il filme son lion, il filme son fils. Il dit, yeah, we the best music. Hein? Another one. Tu regardes. Tu sais qu'il a pris la voiture que tu vois là. Tu sais qu'il a fait comment pour avoir sa voiture. Merci Kaila. Aujourd'hui, vous avez pour idole, pour exemple. Je suis en train d'aller quelque part avec ce que je vous dis. Beaucoup d'entre vous, vous êtes butés. Vous n'êtes pas heureux? Vous n'arrivez pas à avancer? Parce que le fond d'abord a pris un mauvais départ. Vous vous êtes trompé de 2 degrés d'angle au départ. Donc en commençant, quand c'est sorti de la terre, c'était penché. Donc quand ça va grandir, ça aura 10 mètres. Au lieu d'être ici, ça aura 30 degrés de différence. Tu es là, tu dis oui. Tu regardes, tes enfants sont aussi en train de regarder. Vous ne savez pas pourquoi vous regardez. Hein? Vous regardez seulement. Après, ta fille fait les longs ongles, longs. Parce qu'elle a vu que quand elle faisait des TikTok avec. Et quand elle faisait des TikTok, elle faisait comme ça. Après. Voilà ta fille de 18 ans qui fait les longs ongles. Bonjour Richard. Ah, tu te sens bien. Il y a beaucoup de rituels, les rituels pleins de lune. Il y a divorce. Je n'ai pas fait divorce hier. Ce sera fait demain. Hier, on m'a envoyé les noms très très tard. Donc. Divorce spirituel, divorce avec mari de nuit, là, c'est demain qu'on va faire. Je vous envoie les vidéos en passant. Donc, on se retrouve 6 heures dès que tu te réveilles, tu es sur TikTok. Et croyez-moi, hein, on cherche à imiter ce qu'on voit. Tu as des soucis, Andy, je n'enseigne pas sur tes soucis aujourd'hui. Va sur ma page, j'ai mis des vidéos sur les finances. Donc tu restes, tu te dis, je veux devenir, je veux avoir, je veux. On te demande même que ton je veux là. Je veux devenir chanteuse, comme qui? Comme Cardi B. Parce que c'est ce qui est au-devant de la scène, devant les yeux de ton enfant. Le caractère, quand il se forge, tu peux avoir grandi, mais tes parents ne t'ont pas montré ce qui est droit et ce qui est bien et ce qui est juste. Toi, tu, en grandissant, tu regardes. Parce que c'est fou, même dès l'enfance, on connaît ce qui est bien, on connaît ce qui est mauvais. C'est en grandissant qu'on arrive à fermer les oreilles. On arrive à fermer son cœur. On commence à faire des choses et puis on résiste. Quand le cœur veut un peu parler, on dit, ah, ferme ta bouche. Le caractère se développe. Il n'est pas héréditaire. Tu ne le prends pas chez ta mère. Tu ne le prends pas chez ton père. Mais tu décides de ce que tu veux donner à tes enfants. Parfois, tu décides du caractère, tu ne connais pas encore comment tu feras. Tu ne connais pas encore les détails. Mais tu sais que je suis sûre que c'est possible d'être riche sans passer par le faux. C'est possible en passant, c'est possible. Mais vous aimez généralement la facilité.
Quelqu'un se met, il enseigne, il te montre le processus. Tu vois que ça va prendre 5 ans. Oh, non, ça va trop durer, c'est long. Et te voilà. Il y en a parmi vous, quand vous commencez à suivre mes vidéos, vous devez rectifier. Tu as déjà peut-être 35 ans quand tu m'écoutes, 40 ans. Tes 30 premières années étaient déjà fauchées. Tu as 3 enfants, tu as divorcé 2 fois, tu es en euro depuis 6 ans, tu n'as pas de papier, tu te caches seulement pour travailler. Et là, tu commences à écouter, tu dis, oh, waouh, donc je peux mettre ma vie comme ça. Je peux être riche et je soulève la tête, je bombe le torse. Je n'ai peur de personne. J'ai lu les déclarations de Napoléon Hill en 2016. Et dans ces déclarations, il disait, puisque je ne connaissais que les escrocs et les femmes à l'époque, il disait dans les déclarations, je vais m'enrichir. Et je vais m'assurer que chaque personne qui est impliquée dans des deals ou des transactions avec moi profite et je profite. Genre, je m'enrichirai en rendant les autres prospères. Je prospérerai en rendant les autres prospères. Quand j'ai écouté ça pour la première fois en 2016, pour moi c'était genre, c'était dur à écouter. Mais je me suis dit, si l'homme s'est écrit et on me dit que son livre, c'est l'un des livres les plus populaires, il y a sûrement quelque chose dedans qui est vrai. Bonjour, bonjour, Bernice. God gift, c'est bien. C'est comme ça que je suis partie pour... J'écoutais les enseignements. J'écoute. Je mets les projets sur pied. Les premiers obstacles que j'avais, c'est que à cette époque, tout ce que je connaissais comme moyen de se faire de l'argent, soit c'était la prostitution, soit c'était l'escroquerie, soit c'était, vous connaissez les scammers. Je suis tombée en Angleterre et il y avait beaucoup de scammers, les Nigérians et beaucoup de Camerounais aussi. 419. Et quand je regardais ça, le jour où j'écoutais Napoléon, quelque chose a vibré dans mon âme que je savais. Je ne savais pas que je commençais l'une des plus grandes quêtes de ma vie. Agnès les bonjour. L'une des plus grandes quêtes de ma vie qui allait me demander d'abandonner d'abord l'ancienne façon de se faire de l'argent. L'autre obstacle que tu rencontres, c'est l'opinion des gens. Ouh, marie-toi. Si tu es une femme, marie-toi. Allez, marie-toi. Et tu te maries avec quelqu'un que lui-même là, beaucoup de personnes font le faux pour s'en sortir. Beaucoup. Ils vont te dire non, c'est pas grave, ce que le faux que je fais, ce n'est pas trop faux, tu vois. C'est faux, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. De ce que j'ai compris de ma petite existence jusqu'à présent, le faux affaiblit ta puissance. C'est pour ça que quand tu commences à te mettre sur le chemin de l'avancement pour devenir riche, ce qui te fortifie, le squelette de la richesse droite, le squelette, je vais dire durable, pas droite d'abord, tout le monde, si je mets 10 personnes ici, si je mets 10 personnes, je demande, est-ce que tu veux devenir riche de façon droite? Ok, riche par la droiture, riche par l'escroquerie. Beaucoup vont aller par l'escroquerie. Parce que c'est facile. It's easy, come on. Mais c'est facile. Hein? C'est simple, c'est facile. Maintenant, ce que ça fait, c'est quoi? Ça te met la peur. Laissons même l'affaire de retour. Le retour, là, c'est même pour faire peur les gens. Il y a des gens qui n'ont pas peur du retour. Ils te disent, oh, il n'a pas peur.
C'est pour ça que souvent, quand vous voyez des personnes qui ont fait du, qui ont escroqué et qui ont prospéré, ça vous fait mal. Il y a des personnes qui ont escroqué, prospéré, et il n'y a pas le retour de ça. C'est peut-être leurs enfants ou leurs arrière-enfants, mais eux là, non. Non. Il fait tout jusqu'à il meurt, il ferme ses yeux. Il n'a pas eu le retour. Ça vient de son enfant. Et ce genre de personnes s'en fout généralement de son enfant. Bien même. Ils s'en foutent de leurs enfants copieusement. Bien. Maintenant, au vu de tout ça, c'est à toi de choisir. Est-ce que je veux m'enrichir, passer ça à mes enfants, passer ça aux enfants de mes enfants? Et c'est exactement de ça que la Bible parle. La Bible a des principes de richesse. Parce que pour s'enrichir, on a tous des options. Je me suis rendu compte dans cette lancée que beaucoup de personnes n'aiment pas la richesse, pas la voie normale. Merci Marie-Pierre. Beaucoup de personnes font des petites magouilles à petite échelle et ils aiment ça. Ils peuvent faire sa petite magouille et ils s'enrichissent en 2 ans et ils restent moyens sur 25 ans, 30 ans. Et il meurt. Alors qu'il ne sait pas que s'il passait par la droiture, ça aurait pu prendre du temps. Et croyez-moi, quand je travaille sur les gens, donc quand il fait les délivrances, les nettoyages énergétiques et tout ça, peut-être que vous avez 3 générations qui ont fait le faux. Ok? 3 générations qui ont fait le faux. Ça tombe sur vous maintenant. Et là, tu te décides à 35 ans que tu veux changer les choses pour toi et tes enfants. C'est peut-être à 50 ans que tu auras déjà posé de bonnes bases. Merci Franck pour la victoire des lions. C'est un peu comme si on t'a donné une maison, que la, on a mal mis la fondation, c'est comme ça là. On te dit, soit tu mets la peinture, et comme tu mets la peinture là, Pat, comment tu vas? Comme tu as fait la peinture dessus, tu vas arranger l'extérieur, mais la maison peut tomber à tout moment. Arranger juste la, faire juste la peinture peut te coûter 1 million, 2 millions. Mais tu as l'autre option où tu casses, tu creuses. Quand tu creuses là, est-ce que c'est quand j'ai pris une maison une fois et en achetant on me disait, si tu achètes le terrain avec la vie de sa maison, on m'a donné une certaine somme, il y avait peut-être 10 millions au-dessus, c'était plus cher en tout cas, et on me dit maintenant si tu prends le terrain avec la maison dessus, on me dit que c'est moins cher. Je dis que c'est là que je me renseigne, il me dit que non, détruire la maison prend plus d'argent. Ok. Donc tu écoutes ceci, et je peux dire en quelque sorte que c'est ce que tu cherchais depuis. Parce que croyez-moi, quand vous vivez dans le faux et que votre âme aime le vrai, vous êtes mal à l'aise. C'est pour ça que vous êtes dans certaines relations, vous avez les maladies. Maladie en anglais, c'est dis-ease. When you are not at ease, you are dis-eased. Tu avances, tous les jours, il fait le faux. Il vient, il te tape, il grogne, il te fait mentir. Il te, ou bien elle te fait mentir, elle te ment, elle te trompe. Elle avance, elle avance, elle avance. Après, on sort telle maladie sur son corps. Oh, tu as le cancer, l'hypertension. Détruire la maison, creuser la fondation, c'est fatigant, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Et c'est plus facile de construire dessus. Maintenant, quand on te donne l'option, c'est difficile, certes,
Et croyez-moi, les parents qui croient qu'ils vont enseigner à leurs enfants en leur disant fais comme ça, là. Oubliez. Oubliez. Bonsoir, Rose. Oubliez. Tu crois que tu vas aller, tu fais la prostitution, tu as pu dire à ton enfant que ne fais pas. Tu ramènes un homme à la maison tous les jours, tu mens à tes enfants. Après, tu dis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais non. Mais non. L'enfant fera ce que tu fais. Monte, tu descends. Bonsoir Sandrine. L'enfant va faire ce que toi tu es en train de faire. Pas ce que tu lui as dit. Beaucoup d'entre vous, elle me demande comment sortir de ce genre de relation. Vous n'êtes pas prêt à payer par vos années. Supposons, tu sortais avec des gars parce qu'ils allaient payer ton loyer, te payer un gros téléphone, voilà. Tu écoutes ceci, tu commences à te dire, non, je veux plus cette vie-là. Tu fais le break-up. Tu romps avec tous tes quatre gars que tu as. Tu vois que le mois prochain, tu vas faire comment payer le loyer. Tu es déjà habitué, on te voit sur les réseaux sociaux avec les Brésiliennes, avec les ceci. On te fait, tu fais les voyages tout le temps. Quand tu vas couper, ce sera comme l'enfant qu'on a, c'est vrai. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas. Bonjour chef. Vous ne voulez pas passer par les étapes. Et beaucoup de vos blocages spirituels, c'est parce que vous avez ouvert la porte par le mensonge. Beaucoup d'entre vous, on vous bloque parce que vous-même, tu es là, tu n'arrives pas à te discipliner. Suzy, il faut arrêter de crier donc. Tu n'arrives pas à te discipliner parce que tu as trois gars. Chacun vient de déposer son énergie dans ton corps. Si je te dis maintenant arrête, et que tu auras le cœur, tu auras le cœur. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Il y en a parmi vous, vous devez arrêter et vendre le téléphone. Le téléphone, là, vend ça, tu peux louer une chambre de 15 000 avec. Ton gros téléphone de 350, 400 000 que tu as en main là. Si on te dit que coupe avec le gars qui te suce ton énergie qui est au Canada, qui t'envoie 100 000 le mois là. Tu sors de l'appartement de 100 000 qu'il a pris pour toi. Il paie ton appartement, il t'envoie 100 000 chaque mois. Mais il sait ce qui suce derrière toi. Si on te dit que coupe, va prendre une chambre de 15 000. Remets tes bases. Détruis la grosse maison de 3 étages. Détruis la fondation. Cherche la terre, tu viens mettre dessus, tu combles encore ça. Tu recommences. Ah non, comment tu peux me demander ça? Ah non, non, non. Il y en a parmi vous, vous êtes en Europe là-bas sur la base du mensonge. Les papiers que tu as là, c'est le mensonge. Tu le sais. Au jeu, tu connais. Tu sais que là où tu es là, le passeport qu'on t'a donné là, c'est le passeport du mensonge. Parfois, peut-être que Dieu avait un futur plus glorieux pour toi et ta famille au Cameroun. Tu fais le faux. Vous faites comme si vous êtes mari et femme. Vous partez au Canada. De nos jours, on a plus les gens qui disent que Seigneur, je ne suis pas né au Cameroun par hasard. Jess, tout le monde a un petit mensonge quelque part. C'est ce que vous dites pour vous consoler et rester dans le mensonge. Tu me suis, ma chérie. Quand tu penses à faire de trop grands changements, c'est ce que tu te dis. C'est trop fatigant. Seigneur, tu m'as crié au Cameroun. Il n'y avait pas l'erreur sur ça. Il n'y avait pas l'erreur sur ça. Je suis convaincu que le passeport, ce que j'ai là, ce n'est pas l'erreur. C'est ce que j'ai entendu, la femme l'a dit sur TikTok, c'est ça. Hein? D'accord. Montre-moi ma voix ici au Cameroun. Ici, je suis en Côte d'Ivoire, là, Seigneur. Montre-moi. Première étape, beaucoup de vos gars, là, vous devez vous débarrasser.
Souvent, tu restes, tu vas aller faire les dons aux orphelins. Tu vas aller même dans l'orphelinat une fois par semaine faire du bénévolat. Tu ne peux pas parce que c'est le samedi que ton gars, ton sugar daddy veut sortir. Mon discours aujourd'hui n'est pas très... Ça va un peu casser votre... Ça va un peu casser. Sugar daddy veut sortir. Vendredi soir, samedi toute la journée, il est avec Kouchou, il est avec toi. Tu vas faire comment? Au gorilla. Hein? Si je ne fais pas, il ne va plus payer la maison. Le téléphone qui t'a acheté, la chérie. Hein? Vends le téléphone là. Ça te donne 300 000. Même quand on a acheté à 500 000. Vends ça à 300 000, 350 000. Prends l'argent de ça, tu commences à planifier. Une partie, je ne sais pas, chercher une chambre de 15 000. N'aie pas peur de commencer par toi-même au départ. N'aie pas peur de mettre ta fondation. Il y en a, vous êtes dans des mariages, que vous savez que vous n'auriez pas dû vous marier. Je m'en fous qu'on dise que j'ai fait un mariage qui est chaud. I don't care. Il y a des mariages que dès que vous finissez, jusqu'à tout le monde a dit que parlez encore. Pipip. Dès que la fête finit, la semaine prochaine, personne ne t'appelle plus pour savoir comment vous allez. C'est comme ça qu'il te casse. Ça, il te... Après, on te regarde les scènes. Les scènes. Là, tu as grossi. Tu manges la nuit. Tu... Hé, hey, maman. Hé, hey, chérie, je ne t'ai pas connue comme ça. Si j'arrête avec lui, ça veut dire que je vais perdre la maison, je vais perdre ceci, je vais perdre ça. Ok, pas de problème. Si tu poursuis avec ça, est-ce que tu pourras construire un immeuble de 15 ou 20 étages qui va tenir? Parce que je vous parle en fonction des visionnaires qui veulent commencer quelque chose. Il y a même des valeurs. Vos enfants, certains d'entre nos enfants ont grandi. Dans beaucoup de mensonges. L'enfant est là, il a 7 ans. Il n'a jamais vu sa mère fier d'elle. Parce qu'elle était assujettie. Parfois, elle devait mentir, jongler deux hommes. Parfois, elle devait... Après, elle rentre avec la chaussure. Oui, bonsoir Samuel. Tonton m'a donné l'argent, j'ai acheté ta chaussure. Tu restes, tu dis que tu dis à ton fils, chérie, on va aller vivre dans une petite chambre. Hein? Parce que maman va, elle va arranger beaucoup de choses. Tu passes 2 ans, l'enfant te voit. Tu bosses la nuit, tu étudies la nuit. Dans la journée, tu vas travailler. On te donne le salaire, tu rentres, tu planifies le salaire. J'ai fait des vidéos que j'ai postées sur TikTok. J'ai mis une aujourd'hui, de tout à l'heure, je vais mettre l'autre. Tu planifies tes finances. Chérie, pendant 6 mois, on ne va pas trop manger. On fait le riz sauté, on mange 3 jours. Le riz de 500, la tomate. Donc, avec 1000 francs, je sauve le riz. On mange ça pendant 3 jours, chérie. Parce qu'on est en train de... On a des projets, on est en train d'économiser l'argent. Parlez à vos enfants. J'ai été mère célibataire pendant... De 2 ans et demi de ma fille, jusqu'à ce qu'elle ait 12, 13, elle a maintenant 14 ans. Il y a des moments où on avance un peu, que je commence un projet, ça ne donne plus. Je n'ai pas encore d'homme, je dors sur le même lit qu'elle. Sandra, il y a inbox. Écris en inbox, tu expliques ton problème. Je ne changerai pas ce que je dis dans le direct pour toi. Tu as compris, chérie. Ça ne va pas. À un moment, j'ai vécu dans un appartement de 2 chambres. Je fais un truc, ça ne marche pas. Je quitte du loyer de 180 000. Je repars payer 75 000. Je sors de 75 000. Je fais un truc, ça donne. Après, je quitte, je monte à 250 000. Je redescends dans un studio de 50 000 dans le quartier. Je reste en 2021. Ma fille me regarde et me dit, maman, tu es devenue riche. J'ai dit, ma fille, tu te rappelles toutes les années où je bossais, tu me regardais, non?
J'ai fait du travail ma priorité. Quand tu corriges les choses, moi, les choses que j'ai montrées à mon enfant, ma mère, je n'ai pas eu l'opportunité de voir ça chez ma mère. Ma mère est d'abord décédée très tôt. Très tôt. Et ma mère n'avait pas... Il y a des choses qu'elle n'avait pas brisées. Ce qui fait que très tôt dans ma propre vie, ça a commencé à me prendre. C'est ça, Suzy. Exactement. Tu travailles nuit et jour. Bonsoir, boss. Quand j'ai commencé à... Quand je me suis rendu compte à 23 ans que je suis la mère célibataire. Merci, Émile, je vais bien. J'ai compris que... Soit je finis comme les petites filles qui trouvent un mec... qui s'occupe de justesse de l'enfant et chaque jour on te dit oh je t'ai pris, tu étais mais avec l'enfant hein. Tu crois qu'un homme peut faire ça pour toi? On m'a déjà dit ça dans tellement de relations hein. Quel homme peut t'accepter? Tu as l'enfant, regarde toi tu es déjà avancé en âge. Le caractère demande que tu vois ce que tu ne veux plus. Je ne veux plus que mes... Par exemple, voilà, tu as des enfants, supposons. Ou tu peux décider de ceci quand tu n'as pas encore accouché. Les entrées d'argent se créent. N'attends pas. Va me demander le boulot, tu nettoies plutôt que dans trois maisons dans ton quartier. On va te permettre de venir nettoyer le sol. On va te payer. Vous êtes paresseux et vous voulez qu'on vous aide. Arrêtez. Donc le mot aide là, sortez ça de votre esprit. Je donne difficilement l'argent aux gens. Mais je paye les salaires. Je paye bien les gens qui travaillent avec moi. Émile, ne me dérangez plus. J'ai parlé, j'ai dit que je suis à Abidjan, vous n'êtes pas venu, faut me laisser. Tu as compris? Ton frère est fou de moi et puis je fais quoi? On est seulement fou dans le téléphone. Quittez avec ça. Donc, vous devez avoir... Oh là là, notre jeunesse. Si tu sors à 5 heures, tu passes devant une maison, tu vois comment c'est sale, tu toques. Ah, madame, j'ai vu déjà depuis une semaine, votre cour est sale. Je peux passer ici tous les matins, je nettoie. Par semaine, vous me donnez 2000, madame. 3000, 4, je ne sais pas. Madame, je vois que vous rentrez tard. Vous n'avez pas les courses que je peux faire, je viens donner à la ménagère. Vraiment, vous payez seulement le transport. Je vous dis, vous faites la liste. Les courses, je les fais. 5000 la semaine, madame. Si tu as 3 ou 4 maisons ou 5 maisons dans ton quartier, tu fais leurs courses pour eux. Et chaque maison te paye seulement 3 000 par semaine. Ça veut dire que par semaine, tu as au moins 10 000, 15 000, 20 000. Hein? Le boss, je n'aime pas la paresse mélangée avec la pauvreté. Je peux voir quelqu'un qui se débrouille dans son business depuis. Il prend l'argent, il vient l'investir dedans, c'est chaud. Il prend, il vient, il met, ça échoue. Je peux te voir, je te booste, je prends mon propre argent que j'ai travaillé. Je dépose sur ta part pour que ça marche. Mais je ne vois pas quelqu'un qui est là. Tu es assis à la maison. Ah, ce sont les enfants qui m'empêchent de travailler. Attache l'enfant sur ton dos, tu peux avaler la peau avec. Et il y a l'impatience. Tu travailles la première semaine, tu as 20 000, on te voit, tu peux dépenser 15 000 pour acheter un faux truc avec. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Je me suis...
tout quartier dans le monde entier. Hein? Tu es à Paris, non? Va faire ce que tu dis à Paris. Nettoyage, vous me donnez seulement 5 euros par semaine. 2 euros par nettoyage. Peu importe, trouvez ce qui vous arrange. Tu sors tôt. Le jour il neige, tu sors tôt. Tu passes devant les maisons, tu sonnes. Monsieur, vous ne voulez pas que j'enlève la neige devant votre, sur votre entrée là? Il ne faut pas que vous glissez quand même, monsieur. Il dit oui, tu prends ta pelle que tu es parti acheter la pelle à 10 euros là. Tu pousses la neige avec, tu verses le sel. Allez, monsieur, ça fera 5 euros. Ça fera 10 euros. Non, il va neiger, tu vas te coucher, tu dors toi plus que tout le monde. Tu dors quand tu es arrivé. Oh, moi, là. Et tu es arrivé. Quand tu décides de refaire la, la fondation et tu vas en bas, la première chose que tu coupes, ce sont les personnes qui te font avoir de l'argent sale. Généralement, pour les femmes, c'est un dragueur ou bien un show ou bien un gars qu'elle a sur le côté. Il vient coucher avec toi. Même si tu as ton propre gars ou ton mari et que tu peux prendre l'argent chez l'autre personne là. Même si tu te dragues seulement. Hé, ma belle, j'aime quand tu dis que tu es riche comme ça jusqu'à... Oh, Pumaga. Hé? Ça me plaît. Même si vous partez seulement manger dans un restaurant, l'homme là te pousse à mentir à ton mari ou à ton gars. Parce qu'après, il va te donner l'argent. Ça, c'est déjà la première chose que tu fais qui vole ton énergie. Tout ce que tu fais dans ta vie qui te donne, qui te fait être dans un état de mensonge, arrête. Deuxième chose, les parasites. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des parasites des autres personnes. Vous vivez aux dépens d'autres personnes. C'est très doux, très dangereux, c'est très mauvais. Ce qui te bloque, c'est parce que tu vis aux dépens d'une autre personne. Soit tu perds en nature, soit tu perds avec ton énergie. Le gars vient de temps en temps. En fait, c'est la prostitution, quoi. Yes, le boss. L'aide financière est mauvaise. L'aide financière répétée. Oui. Même quand tu demandes l'aide financière, ça doit être pour aller faire quelque chose. Quelqu'un me demande un jour l'aide financière pour aller se blanchir les dents. J'ai refusé, je l'ai dégagé. Je l'ai dégagé. Razak, je sais pas ce que tu as demandé. Demande-moi l'argent là pour aller lancer un business. Et tu me dis même que grande soit, je te paye par semaine. Donc si tu me donnes 50 000, chaque semaine je vais venir te donner 4 000. Par mois, je te donne 10 000, supposons. Hein? Non, te voilà. Tu donnes l'argent pour que tu puisses te blanchir tes dents, n'est-ce pas? L'aide que vous voulez là, vous n'avez pas de plan clair et fixe sur l'argent que vous demandez. Mais l'accent camerounais est sorti, elle. Demandez. Tchaï. Bon, on baptise un peu, non? Bon, voilà, comme je vous disais, c'est que je n'arrive pas à être convaincante quand je baptise. Tu vois un peu, non? Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure,
tu viens me demander de l'argent pour te blanchir les dents. Et voilà, je... Nah, c'est trop, ça blague. Ça blague. Who are you? Who are you? Am I supposed to recognize you? Where did we meet? Tu vas être ménagère chez moi au Gabon. Si tu es sérieuse, tu viens. J'ai besoin du ménagère. J'ai deux résidences. Tu peux nettoyer. J'ai deux résidences et j'ai le magasin au Gabon. Côte d'Ivoire aussi. Je cherche des employés en Côte d'Ivoire pour tenir le magasin. I bought my wigs from where? Which country? Because I travel a lot. Where was it? Oh, Didi. Didi. Are you the one that, are you in Douala? Oh yeah, Douala. Are you rich already? Didi. Because I'm so sure that you're supposed to be rich. You used to sell wigs and fish. Is it you? Yes, girl. I was on TikTok. I was looking for you once. Because I remembered you. I was like, this girl is such a hustler that I need to tell her that she will be rich. You know what, girl? Me, je parie sur toi. I bet on you. That's how much. I bet on you. One day you'll be so rich. I'm not just talking like this. This is not just air. I'm serious about this. I don't forget people. On parle au moins de 5 ans. That's at least 5 years. This girl will never sit down and no. She's always trying something new. And people don't understand. They always have barriers. No, oh, I'm not beautiful. When my skin will be nice. Oh, when I don't have a place. No. For me, I'm so happy that I have the opportunity to tell you this. Girl, you'll be rich. You'll be rich. Yes. Je me rappelle, je me regardais souvent cette jeune fille sur Facebook. Ça fait au moins 6-7 ans quand j'étais en Europe. Ouais. Elle a le salon de coiffure. Elle vend la friperie maintenant. Ouais. Vraiment. Thank you. Thanks for the message. Salut Alain. Comment tu vas, Alain? J'insiste sur les valeurs dont je parlais parce que vous savez, c'est facile de voir une fille sur les réseaux sociaux. Elle a 3 téléphones, iPhone 15, elle est dans une grosse voiture. Tu te dis, ah, il faut que je devienne aussi riche maintenant. Et tu sautes les étapes. Et tu sautes les étapes. Parfois, tu veux devenir riche, mais tu n'es pas discipliné. Au Cameroun, on a besoin de quelqu'un à Douala. Mais le problème que j'avais, vous, hein, beaucoup d'entre vous, voilà ceux qui parlaient de ménage au Gabon. J'ai dit que je cherche une ménagère au Gabon, elle demandait le salaire. Elle demandait le salaire. Si ta motivation pour venir travailler pour moi sur le salaire, ne viens pas. Je te dis la hoha. Ne viens pas. Beaucoup d'entre vous qui me suivez. Yes, do not skip steps. A lot. Quelqu'un arrive, je ne négocie plus le salaire avec quelqu'un. Quand quelqu'un arrive, il m'impose beaucoup que salaire, tu payes combien. Je sais que toi là, tu vas me donner les problèmes. Mais meilleur, j'ai quelqu'un qui a commencé dans mon entreprise comme chauffeur. Aujourd'hui, c'est l'un de mes plus gros managers. Quand j'ai une mission à faire dans un pays, c'est lui que j'envoie. Et je ne m'excuse pas pour ça.
Voilà mon dicton clé que j'ai pris dans la Bible. Pour moi, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Vous voyez, oh, j'ai la licence en ça, j'ai ça. Tu demandes un petit, la personne ment. Vous mentez, vous êtes chiche. Vous êtes chiche. Vous ne connaissez pas apporter plus de valeur quand vous travaillez quelque part. Et vos valeurs de base sont erronées. Le mensonge, la jalousie. Quelqu'un entre, écoutez, mon entreprise est prospère. Je ne parle pas seulement. Tu ne connais pas comment j'ai commencé. Puisque tu ne suis pas mes vidéos, ceux qui me suivent savent comment j'ai commencé. Tout ce que j'ai fait, c'est en ligne ici. Tout, c'est en ligne. La personne va arriver, va comme je porte. Dans mon entreprise, j'ai tous les t-shirts tous les jours. Quoi, comme ça, me manquer de respect. Tu commences à me manquer, tu me manques de respect. Tu es entré ici là comme chauffeur ou bien comme truc. Tu commences à faire, ah, je dis que pardon. S'il te plaît. Ah, bec. Si tu es intéressé, mamie, va dans ma bio, tu écris, tu dis que je veux travailler. Tu écris. Je cherche en Côte d'Ivoire. Je suis basé en Côte d'Ivoire. Je suis basé. Tu nettoies les bureaux, tu es à Louis. Si tu es à Louis, c'est bon. Johanna, passe dans mon magasin à Louis demain, tu déposes ton CV. J'aurais besoin de quelqu'un pour nettoyer. J'ai plusieurs résidences à Libreville. J'aurais besoin de quelqu'un pour faire le nettoyage régulièrement. Régulièrement, généralement avec vous, vous n'êtes pas sérieux. Elle vient deux jours après, elle te dit, oh, mon enfant est malade. Je dois aller au village pour faire l'enterrement du chien de la concession. On doit déterrer le crâne du grand-père. Moi, je vous dis, hein. Allô? En Allemagne, oui, je vous écoute. Bonjour. Oh, non, attends, attends, tu peux pas me raconter, je suis très, très, très occupée. Tu as compris, chérie? Donc, va d'abord regarder quelques-unes de mes vidéos. Regarde encore mes vidéos, d'abord. Deuxièmement, tu te laves avec le sel aujourd'hui. Ok? Ce soir, c'est sur ma page. Tu te laves au sel matin et soir pendant 3 jours. Et la semaine prochaine, tu me recontactes. Ok? Merci. Bye bye. Que mon fils a avalé le marteau du voisin. Attends un peu, je vais lire les commentaires ici. Bon, en Allemagne, non, pour l'instant, non. Comment travailler si on ne sait pas combien? Même si le salaire est peu, on doit savoir. Tu ne travailles pas encore pour moi. Je suis en train de te dire que je cherche les employés quelque part. Tu ne veux pas savoir la description du boulot. Tu ne veux pas savoir rien. Tu demandes moi de te payer combien? Je ne veux pas dire que je ne veux pas t'employer sans te dire combien je vais te payer. Je ne veux pas t'employer sans te dire combien je vais te payer. Ok, si tu envoies ton CV, c'est bon. Même dans le magasin de Libreville, on cherche quelqu'un là-bas. Parce que j'ai une personne au magasin, je veux deux. Bon, on continue. Marie, j'ai parlé de CV, non? Elle a dit qu'elle allait envoyer son CV, non? Cherche le numéro, tu envoies ton CV toi-même. Dans chacun de mes pays, des pays où j'ai le truc, j'ai un processus de sélection. Ok? À Abidjan, il y a un cabinet qui s'occupe du processus. Au Cameroun, j'ai des personnes qui vont te faire les interviews. Tu envoies ton CV, c'est plein de trucs. Donc, je ne fais plus les affaires que du coup là. Et je cherche maintenant les journalistes. Il y a une branche de l'entreprise qu'on est en train d'ouvrir. Je vous en parlerai plus tard, mais on a besoin de journalistes. Des personnes qui peuvent écrire, des personnes qui peuvent faire des vidéos. Voilà, ça c'est toute une. C'est toute une branche d'entreprise qui est en train de s'ouvrir. Ok. Parce que parfois, vous me voyez ici comme ça, là, vous pensez que si vous travaillez pour moi, vous allez me voir tous les jours. Tu peux travailler pour moi un mois, tu me vois. 3 jours. Et quand tu me vois, moi, les gens te disent bonjour, je pars dans mon bureau m'asseoir. Tu ne me vois pas. Dans mon entreprise, on me voit très rarement. On me voit très rarement. Donc, ne croyez pas que. Parce que vous êtes. Je bosse. Je bosse. Donc, je continue. Mes arachides que vous avez envoyés à Abidjan, là, c'est où, pardon? Je ne connais pas où je peux trouver les arachides du village ici. Qui connaît là où on voit les arachides du village à Abidjan? C'est immense. On n'a même pas encore grandi, papa.
Tu es au Liban, hein? Je voulais venir au Liban. J'ai le mariage d'un ami libanais là. Il se marie le 2 février. Je voulais venir là-bas. Il m'a dit qu'à l'aéroport, je passe en visa. À l'aéroport, il y a des gens qui vont appeler, on va me donner le visa. J'ai bien envie de faire un tour au Liban. Mm-hmm. J'ai envie de faire un tour au Liban. Je dois allumer la clim. Il est un peu chaud. À Djamé, derrière la mairie, ils ont acheté du Cameroun. Tu me dis, je vais envoyer quelqu'un là-bas. À Djamé, c'est pas Abidjan, c'est Abidjan. Si c'est loin, ça va pas. Mais j'ai des personnes ici, je peux envoyer chercher pour moi. Si tu as droit à la pâte, j'ai besoin d'un agent de nettoyage à Makepe. 90 000 le mois pour nettoyer. J'ai besoin, on a deux campus maintenant. On a Makepe, on a Dedo. On a besoin d'agents de nettoyage. Voilà. Ok, je continue ce que je disais. Le problème que vous avez quand vous dites que vous cherchez le travail, c'est que vous ne cherchez pas réellement le travail. Vous avez ça. Vous ne cherchez pas réellement le travail. Parce que quand tu cherches le travail, tu connais créer le travail. Et beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez quelque part, on veut un peu vous corriger. Parce que quand tu es dans une entreprise, tu dois te façonner selon ce que l'entreprise fait. Attends, je bloque quelqu'un. Tu crois que tu vas me draguer? Je fais quoi avec ta drague? Mange ça. Ah, capama. La tête te bloque. Tu vas me draguer? Et tous les pauvres qui ne pensent qu'à ça. N'a pas d'avoir l'argent. On te dit comment tu peux faire pour avoir l'argent. Tu ne veux pas écouter. Parce que ton truc ne peut pas rester dans le pantalon. Si tu as décidé de creuser et de laisser partir le mensonge, il y a des familles où vous êtes habitué au mensonge, chérie. Demain, dimanche, on n'est pas ouvert. On n'ouvre pas les dimanches pour le moment. Mais si tu peux travailler et venir ouvrir les dimanches, c'est bon. Me suivez. Il y a des familles où vous êtes habitué à mentir. Donc tu ne connais pas comment on est honnête. Tu ne connais pas comment on est vrai. Tu ne connais pas comment on est accountable. Tu mens, tu mets la faute sur tes collègues. Tu mens, tu fais comme ça là. Prospérer dans une entreprise, c'est pas. C'est pour ça que quand vous avez. Le plus grand travail d'un parent, c'est de mettre du caractère dans son enfant. Tu arrives, dès qu'on te donne deux, trois trucs à faire. Madame, on a déjà fini à 17h15. On finit à 17h30, madame. Le travail, ça va prendre une heure de temps. Pourquoi vous me demandez de faire ça maintenant, non? Hey! Oh, j'en ai vu. Il y a un jeune homme qui est venu. J'ai beaucoup employé les jeunes. Un jeune homme est venu travailler pour moi l'autre jour. Il était avec deux de ses amis. Il avait 17 ans, les autres peut-être 19 ans, les deux ou 18 ans. Et je vois moi ses amis, tout le temps ils s'asseyent un peu dans un coin, on faisait un déménagement. Ils s'asseyent un peu, ils sont sur leur téléphone. On dit allez, porter. Ah oui, bon, quand ils voient deux personnes sont en train de porter là, ils s'assoient un peu comme ça. Donc il y a toujours une paresse. J'ai observé le petit là. Il porte, après il dit que tata, tu veux qu'il porte encore l'autre aussi? Il dit, waouh! Ça t'est déjà arrivé d'embaucher quelqu'un. Tu as même peur de venir lui dire le travail qu'il doit faire.
Dès que tu dis que bon, Janine, tu as fini là-bas. Tu l'appelles d'abord 5 fois, il ne répond pas. Tu l'appelles, elle entend. Elle ne répond pas. Maintenant, quand tu forces, tu arrives sur place. Mais c'est toi que j'appelle, non, viens. Elle arrive. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, c'est parce que... Tu dis, va porter fait. Ça me gâte souvent quand quelqu'un... Tu prends quelqu'un qui est le seul gérant de ton magasin. Et il te demande que qui va nettoyer le sol. Donc, tu veux que je t'emploie. Hein? Céleste, c'est qui? Dois me verser quelque chose pour la pub. Oh, Céleste... C'est bien, non? Ils prennent l'argent. Shaimak Kira. Mamie, même si tu viens, il ne peut pas t'employer. Tu donnes les tâches. Elle fait seulement. Tu dis, lave le frigo aussi. Elle lave, après tu viens, tu te coupes, tu regardes le frigo. Tu vois que l'intérieur n'est pas nettoyé. Dès que tu t'absentes comme ça, elle est sur TikTok. Avec ta connexion, hein. Avec ta propre connexion. Elle est dans ton local. Elle utilise ta connexion. Elle regarde ses vidéos. Kingston, tu parais mignon. Tu veux m'inviter? Oh, mais moi, je ne pas seulement pour la beauté, là. Tu me vois, je ne suis pas seulement belle, non. À part la beauté, c'est que tu vois sur mon visage, là. Il y a plein d'autres choses dans ma tête. C'est pour ça que je frustre beaucoup certains hommes. Non, pas la cardio. Voilà ton CV qu'on vient de m'envoyer là. Je suis en train de voir ça. Mon collaborateur vient d'envoyer le CV. Voilà l'autre qui est dans le direct. Qui est toujours en train de dire que j'ai fait comment, j'ai fait comment. Elle regarde le film avec ta connexion. Je dis tout, j'explique tout ce que vous dites à mes employés. Il leur dit que si tu arrives ici, celui parmi les employés, ceux qui bossent, ça se voit, ça se sent. Il n'y a pas de problème, Kingston. Envoie-moi l'invitation, je vais venir, je vais visiter Montréal. Pas de souci. Merci. Je serai très ravi. Je n'ai pas ton numéro, donc si tu peux avoir l'amabilité de m'écrire en inbox, tu dis que c'est pour l'invitation du Canada. Je t'envoie mon nom, tu me fais l'invitation. Ok? Merci. Tu n'aimes pas Kingston, pourquoi? Ne fais pas jalousie ici. Hein? Bon, je continue. Je disais que si tu n'as pas... Et comprenez bien, si tu n'as pas des valeurs qui font que quand tu arrives quelque part, tu te dis que... Souvent, supposons, tu es dans le magasin de quelqu'un. C'est toi qui gères. Tu fais une semaine, tu vends 15 000. Prochaine semaine, tu vends 10 000. Prochaine semaine. Comme la femme là te paye, ou l'homme là te paye, il prend l'argent. Puisque le client vient, tu ne fais pas l'effort. Tu es dans le magasin, il est sur la télé. Elle zappe. Le client entre. Bonjour, vendeur. Oui, bonjour, madame. Le client est là-bas, il te regarde. Oh, faut marquer! Oui, madame, vous voulez quoi?
le client va partir. Bye Marie. Comme tu es là, tu es assis dans la clim qui va consommer 1500, 2000 la journée. Hein? Naomi, tu dis que tu peux travailler avec moi pour laver mes vêtements. Ce serait cool. Tu es dans quel pays? Merci, monsieur Omes. Je crois que tu connais. Le leadership, c'est l'une des premières bases que j'ai apprises. En 2014, 15, 16, 17. J'ai suivi beaucoup de cours sur ça et j'ai moi-même changé mon caractère. J'ai dû changer mon caractère pour m'adapter. Aujourd'hui, quand les gens voient mon leadership, ils ne comprennent pas comment j'arrive à faire tout ça. Le leadership, ça s'apprend. Et ça commence par qui? Le leadership commence par qui? Soi-même. Si vous parlez chaque jour, arriver à temps au boulot, travailler. Moi-même, j'arrive au boulot à 9h. Et tout ce que je vous enseigne ici, je dis souvent à mes employés, je leur montre. Sur 20 employés, 30 employés, tu peux avoir 2 qui saisissent. Vous voyez le travail? 2 saisissent. Les autres 18 sont là. C'est ça que mes employés ont pris balle perdue. Changer ses principes de base, c'est un choix. Écoutez, je choisis. Je me rappelle dans les départs quand je venais de commencer. Je disais toujours à mon ex-mari que j'ai toujours su que je serais populaire. Je serais célèbre. Donc je ne peux pas me mettre dans des postures inconfortables qui ont fait qu'on prenne ma photo de moi, on dit que, oh, voilà, il y a cela 5 ans, elle faisait telle chose. Je savais là où je partais, je n'étais pas encore arrivée. Mais j'avais pris la décision. Ma deuxième décision, je ne m'occupe que de mon succès. Je m'en fous de tout le reste. C'est pour ça que vous voyez, j'ai facilité. Je peux facilement bloquer les gens. Parce que ce n'est pas tous les débats qui sont les miens. Ce n'est pas tous les débats qui sont les miens. Je ne parle pas de tout sur ma page. Ce n'est pas tout qui est mon combat. Ah, tu étais venu me voir à Yaoundé. Ah oui, je vous avais donné des câlins. Je t'ai embrassé, tu as eu les frissons. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donner les câlins aux gens quand je les rencontre. Deuxième décision, je ne me mêle pas de n'importe quoi. Ma priorité, c'est m'améliorer. La seule personne que je peux commander, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mes enfants. C'est moi. Troisième chose, je être vrai. On appelle ça l'authenticité. Be authentic. Parce que les gens le sentent. Vous suivez les influenceurs, vous connaissez ceux qui sont vrais. Même si vous ne connaissez pas ceux qui sont faux, vous ne connaissez pas le fond d'eux. Mais vous savez qu'il y a un truc qui... Je ne sais pas, il y a un truc... Je ne suis pas en Congo pour être... Parce que si quelqu'un n'est pas vrai, c'est difficile qu'il m'aime. Généralement, on s'aime par groupe. On se regroupe. On se regroupe, ok? Les hommes aiment ça, les tribus, les colonies, les sectes. Une secte n'est pas négative en elle. C'est juste un groupe de personnes qui ont des mêmes pensées, ok?
Quelqu'un va tomber sur ma page, va dire que tout ce qu'elle dit là, c'est Quelqu'un d'autre va tomber, va dire oh my goodness, je ne savais pas que quelqu'un pouvait dire ce que je pense chaque jour. Donc, l'authenticité, c'est quoi? Off caméra, on caméra, tu es la même personne. Devant les gens, quand tu es seul, tu es la même personne. Ce que tu dis et ce que tu fais et ce que tu penses, c'est la même chose. C'est ça l'authenticité. Là, quand tu viens mal me parler de ton mari, le soir vous êtes ensemble en train de mal parler de moi. Après, le lendemain, tu reviens encore me voir. L'authenticité. TikTok remix, how are you? We started something, you didn't continue. Why? I was expecting to receive your number. So that when you come to Cameroon, I see you. Le nombre de prétendants que j'ai sur TikTok est... N'ayez pas honte de me draguer. Mais draguez-moi dans la... Mais n'ayez pas me draguer comme si c'était une petite fille qui avait une petite culotte en route. Que mamie, mamie. Je suis à Abidjan. Yes. L'authenticité ne veut pas dire qu'on va te chiffonner. Les gens ont tendance à vouloir cacher qui ils sont et montrer une façade devant les gens. Ils ne savent pas que la vérité, c'est une puissance. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Chemin, vérité. La vérité est une force, c'est une énergie. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui disent la vérité, non? Ah, le gars là... Non, moi je ne l'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des filles qui aiment qu'on les manque. Manque-moi, papa. I love the way you lie. I love the way you lie. L'authenticité, ça se teste quand tu vois peut-être quelqu'un. Il te rencontre. Je veux qu'on bosse ensemble, voilà. Voilà un bon projet. Il commence à mal te parler de sa femme. C'est ta femme, non? C'est ton autre moitié, non? Comment tu me parles mal de ton autre moitié, comment? Hein? Ou bien vous finissez au boulot, vous partez pour prendre un verre. Tu vois, il drague une fille. Et il est marié. Peu importe le deal que tu faisais avec lui. Arrête. Tu sois avec un gars, vous êtes en relation à distance. Bon, voilà, je ne peux pas rester 10 mois comme ça. Je peux faire un an comme ça. Un autre gars t'invite, tu pars. T'invite chez lui, tu pars. Après, par accident, oups, c'est entré. Mais on s'amusait, il ne devait pas mettre. Yeah, I record everything. Thank you. Thank you, TikTok for me. Vérité. Thanks.
tu fais l'enfant avec quelqu'un, tu vas mentir à l'autre homme que c'est pour lui. Il est content, il fait la layette, il vient à l'hôpital, il tient ta main. Tu sais dans ton cœur que ce n'est pas son enfant. Nage. Je ne suis pas obligée de répondre à vos questions. Tu as compris. Tu es d'abord venu ici me demander si je suis marié. Je suis ton ami. Toi, il te bloque. Ça, c'est la vérité. Je t'ai bloqué. L'autre, là, c'était la vérité. Voilà. Ok. I speak English, yeah. I kind of hired a team that's supposed to translate my videos in English. I think I have a page in English, you know. Let me ask. I think it's Ren Lumière, E for Echo, N for November, G for Golf. Ren, let me see. Let me find that page. Je me tague très peu sur cette page, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je cherche. Non, attendez, je cherche ma page en France, en anglais pour lui donner le... Donc ici, c'est la deuxième partie. Ok, en tant que choisi, comment... Let me find the page, ok? Hold on. I know, je sais que c'est Rennes. Tellement de personnes qui m'imitent maintenant. Je ne sais même plus partir, par où partir. Trop de personnes essayent de faire ce que je fais, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous m'imitez? I don't know. Bon, je vais demander à mon équipe. I just come. Let me ask to my team. S'il vous plaît, monsieur... Dites à Monsieur Roussel de me dire, de me donner les détails de la page où je publie en anglais. Merci. Marie-Françoise, on a reçu ton CV. Waouh, tu as 20 ans. T'es sérieuse? Waouh. C'est pour le nettoyage, je suis dans le direct, elle vient d'envoyer son CV. Okay, if they answer me, I'll give you the name. Okay, just stay in the line. Just stay. Okay. Donc. Je parlais de... J'étais à quel niveau? Ceux qui suivent ce que j'ai dit, je parlais, j'étais à quel niveau? Yamsoukro est loin. Est-ce qu'il y a des hôtels là-bas? Donnez-moi le nom d'un hôtel. Je crois que je vais venir loger à Yamsoukro pour aller voir le match. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire le trajet aller et retour. Donc c'est sûr que c'est probable que je vienne et je dors. Il n'aime pas tout ce qui va me casser la tête.
Donc moi, je vais venir, on fait... J'ai bien envie de voir le match des éléphants. Parce qu'on m'a dit qu'on a mis le match des éléphants à 21h. Hôtel le président, hein. D'accord, merci. Si tu veux faire la formation, on commence d'abord à envoyer ton argent. Envoie l'argent que tu as et puis tu finis après. La formation du premier est confirmée. J'ai déjà commencé les enregistrements. Il y a beaucoup de contenu que je vais vous donner. Beaucoup. Ça s'appelle riche et spirituel, la formation. Riche et spirituel. Bon, ils ne m'ont pas encore répondu. Oui, je parlais d'authenticité. Merci, c'est gentil. La formation, c'est 130 000. Mon page s'appelle Jocelyne Kouo. Donc je vais vous mettre ça dans la vidéo. The name of the page is Jocelyn. JOSELINEKOUWO. Okay, did you write it down? Okay. L'authenticité est quelque chose qui va attirer de vraies personnes vers toi. Écoutez, Jocelyne, c'est S-I-S-I-J-O-S-I. Not J-O-C-S. J-O-S-E. Jocelyn with S. Let me just find the page. Jocelyn. J-O-S-E. K-O-U-W-O. So this is my page. Oh my Jesus. Voilà. God give that this. Jocelyn. No. So the face, you're going to see my face like this. Voilà ma page TikTok en anglais. Je parle généralement aux hommes et aux femmes puissants. Voilà ça. See, this is my page. This one. So I translated some of my French videos. And then I put it there. Translation is down. At the moment, I think on that page I have 1,400 followers. Yeah. Okay. Let's go on.
Je vais continuer en français. I'm going to carry on in French, ok? L'authenticité, je rappelle que beaucoup d'entre vous, vous êtes nés dans des familles où il y a un joug. Et le joug, c'est comme un plafond qui empêche que vous ne soyez riche, prospère, connu, que vous ne vous mariez. Chaque famille a sa part. Donc, ce joug est associé à des comportements. Peut-être dans votre famille, le père trompait toujours, c'est à sa femme. Toi-même, tu grandis, tu commences aussi à tromper, jusqu'à ce que tu décides que j'arrête de tromper. Et nous sommes en bataille, c'est un peu aussi comme les mentalités. Supposons, tu peux être du Cameroun. Et au Cameroun, peut-être, les gens ont l'habitude de discuter les prix avant d'acheter. On ne vend jamais ce qui est... Bon, je ne veux pas indexer les Camerounais. Je ne vais rien dire là-dessus. Donc, supposons les Camerounais ont une mentalité. Ils aiment toujours les problèmes. Et toi, tu grandis au Cameroun, tu vois les jougs camerounais. Mais toi, tu décides que je vais découvrir ce qui est bien et qui est droit. Malgré que je suis camerounais, je ne ferai pas du faux. Donc, tu as une prédisposition génétique. Mais toi, tu décides. Président 12, je ne sais pas pourquoi tu poses ce genre de questions. Pourquoi la plupart des jeunes personnes spirituelles n'aiment pas habiter au Cameroun? Tu parles de qui? Tu parles de moi? Tu parles de moi? Hein? Quand vous parlez des choses, ne faites pas comme cela. Abba Drop, ne viens pas généraliser ici. Hein, papa? Parce que je vous connais, vous aimez vous cacher derrière vos téléphones seulement. Il te dit que je n'habite pas au Cameroun. J'ai commencé mon travail, on m'a beaucoup aimé au Cameroun. On m'a beaucoup aimé en Côte d'Ivoire. On m'a beaucoup aimé au Gabon. Et on a été de m'aimer aussi au Burkina. On a été de m'aimer aussi en France. Tu sais ce que j'ai fait? Je leur ai permis de m'adopter. Donc je suis sorti du ventre de ma mère au Cameroun. Je suis sorti de son ventre au Cameroun. Mais je ne vis pas seulement au Cameroun. J'ai plusieurs résidences, monsieur. Donc merci pour ta contribution. Je continue ce que je disais sur l'intégrité, sur l'authenticité. Donc vous avez des prédispositions, peut-être selon votre ethnicité. Et croyez-moi, quand vous commencez à développer certains caractères, il y a des pays que quand vous arrivez là-bas, vous dites « Waouh !» Quand j'étais au Cameroun, je n'aimais pas manger, je lance mon papier au sol. Tu arrives dans un pays où c'est propre. Tu arrives dans un pays où les gens sont gentils, ils ne font pas le taper d'eau, des choses comme ça là. Tu te dis « Waouh !» Parce que tu es né biologiquement dans un pays ou bien dans une famille. Il y a même des familles qui ont les étiquettes. Ah, les hommes de la famille, si là, ils tombent autour de leur femme. Wow. Donc, tu as une prédisposition, mais tu as refusé la prédisposition. Tu as refusé. Tu as cherché ce qui est mieux pour toi. Parce que je précise bien, c'est un choix. Chacun choisit. Et comme tu as choisi, tu as dit qu'à partir de maintenant, de moi sur mes enfants en descendant, on va choisir le chemin-ci. J'ai grandi au Cameroun. À 24, 25 ans, je suis dans une église en Angleterre. Au Cameroun, quand tu as 20 ans, tu vas te marier. Mais pourquoi vous mariez? Vous êtes trop jeune. Et vous êtes trop jeune. C'est ça, non? D'abord, dès que quelqu'un a 18 ans, j'ai vu un couple se marier devant moi. Actuellement, ça fait 10 ans, ils sont toujours mariés. Ils sont en train de partir, ils ont 30 ans maintenant. Quand ils se mariaient, moi je regardais, je disais, mais. Je dis quoi ça? Mais ça m'a fait plus. Je dis, waouh!
Je n'ai pas grandi avec ça. J'ai vu, ça m'a plu. Je peux maintenant décider que ça fait partie des choses que je vais intégrer, comment comprendre comment ça fonctionne. Et on manifeste ce qu'on a comme pensée et comme comportement. Donc ce que j'enseigne, si tu mets l'authenticité et tu commences, si tu mets ça dans l'entrepreneuriat, quand les choses vont commencer à marcher, tu peux avoir le succès de Jeff Bezos en étant en Côte d'Ivoire ou en étant à Douala. Je sais que les gens ne pensent pas que c'est possible de prospérer à Douala. Vous suivez? Tu peux avoir les principes, les valeurs, core values de l'Angleterre ou de l'Amérique. Tu viens, tu pars à Badjoum. On vient, on veut te faire le faux, on te fait le tapis d'eau, on te fait l'hypocrisie, on mal parle, on prend ton argent et tout ça. Tu appliques tes principes. Prendre certains principes d'ailleurs pour venir les implanter quelque part, tu seras testé. Tu as grandi, ta mère avait 3 copains. Et toi, tu commences à dire que tu n'auras pas de copains. Tu crois que tu es qui? Tu commences, premier 6 mois, ça te secoue, ça te secoue. Finalement, quelqu'un vient te drague, une période où tu as tout ce que tu as fait échouer. La tentation de le prendre, tu dis que ouais, prends. Sors avec lui une fois, non. Tu perds quoi? Sors avec lui. Après, tu dis non, je me ressaisis. Non. J'ai décidé, ça fait 1 an et demi, que je vais sortir avec un homme pour son argent. La tentation viendra pour tester. On ne passe pas un examen sans test. On ne passe pas un examen et on te remet le diplôme sans passer le test. Merci, Will Good. C'est vrai qu'on enseigne les choses sur la toile et ça paraît souvent comme si on vous forçait. Ce sont des enseignements que quand j'étais jeune, je n'avais pas accès à ça. Mais le jour où je suis tombée dessus, croyez-moi, je me suis accrochée. Je me suis accrochée. Je me suis tellement accrochée. Et je savais qu'un jour, je vais manifester la vision que j'ai maintenant. Parce que j'aime raconter ma vie, ça me plaît. C'est mon direct. 100 followers, tu viens me parler. Et qui est? Vous allez voir coach, vos coachs là, elles vont vous faire les consultations. Je ne suis pas moi dedans. Chacun fait sa chose. Chacun fait sa chose. Je ne suis pas dans ça. J'enseigne celui qui connaît. Il y a les connaisseurs qui connaissent ce que je dis. Les gens qui ne connaissent pas vont venir cela. Aide-moi. Je vais te parler, pardon, 1 minute. Je vous connais déjà. Et ça ne me dérange pas. Mais vous ne faites pas ça avec moi. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas ici là pour faire le Japap, pour faire le Congo ça. Je veux vous aider à remettre la. Je l'ai déjà bloqué. Je veux vous aider à remettre la vision sur votre futur. Que tu restes comme ça. Tu as peut-être 19 ans. On voit une fille de 19 ans comme ça. Elle a déjà économisé même 3 millions. En balayant, en étant ménagère dans une maison et en vendant peut-être ces trucs à côté. C'est possible. C'est possible. Et quand tu la vois, elle te donne son plan. Elle te donne son plan. Elle te dit que l'année prochaine, je vais faire ça. Après, elle va acheter le terrain. Après, elle fait comme ça. Après, elle a 19 ans, s'il te plaît. C'est possible.
C'est possible. Quand quelqu'un m'approche et me dit aide-moi, il n'a même pas envie de lire ton message. Parce que tu n'as pas, tu es bloqué, mais tu crois que c'est l'argent qu'il te faut. Prisca, vous voyez que j'hydrate beaucoup ma peau. Vous avez remarqué ça dans mon direct, non? Ma peau, mes pieds, mon visage, mes... Voilà, je viens de mettre l'eau sous mes mains. Je n'aime pas quand ma peau est sèche. Et là, je sens... Ici, ce n'est pas encore sec, mais mes lèvres sont sèches. Donc, je vais remettre mes lèvres. Donc, le jour où vous allez me voir, vous allez voir mon teint là. Oui, j'aime m'hydrater. Donc, je reviens sur ce que je disais. Vous devez comprendre que à tout moment, je choisis mon destin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide. Mais si je regarde à l'intérieur de moi, je regarde ce que j'ai autour de moi. Et je vous prends toujours avec la base. Donc si tu commences dans ton quartier, tu cherches la maison de quelqu'un pour nettoyer. Personne ne peut me dire qu'il connaît tenir un balai, non? N'est-ce pas? Non, tu sais, non, non. Dans le quartier, ici, là, ils ont derrière la ménagère. Personne ne oublie. Et peu importe le pays où tu es, quand tu travailles bien, on va te chercher. Vous aimez le travail de la paresse. Tu fais, oh, fais-en vite, non, tu lances là-bas. Oui, c'est l'heure, on rentre. Même si tu es chez les Libanais, tu es au Koweït, tu es n'importe où. Parce que quand vous partez chez ces gens-là, vous aimez faire la paresse. Oui, vous aimez. Vous aimez la paresse. Personne chez qui tu travailles, qui est devant, sache que la personne a bossé pour avoir ça. Parce que vous pensez toujours que tout le monde, il reste aussi, se réveille le matin, il voit l'argent en bas de son oreiller. La prospérité. Un jour dans le direct, il y avait une fille qui s'est pointée, elle a commencé à parler. Et en lui posant des questions, je me suis rendu compte que elle travaille chez... Elle fait le... Les nannies qui viennent dormir là. Stay at home carer, un truc comme ça. Anyway. Nanny qui vient dormir chez toi. Bon. Au père, voilà. Elle était au père. Et là, quand je faisais le direct, elle a commencé à dire, ah tiens, mes patrons, ils me conseillent beaucoup. Ils me donnent des ils m'ont... Donc, quelqu'un qui est riche et qui est prospère, il a toujours envie de mettre l'autre pète. Non, elle te voit peut-être pour ça, dit que, mais, pousse, je sais pas, garde un peu ton argent. La personne va t'apprendre à économiser. La personne va t'apprendre à, je sais pas. Peut-être tu veux faire ton petit business, tu veux vendre peut-être le bissap au quartier. Ta patronne te dit peut-être que non. Tu sais, au lieu de déposer chez telle personne, attends, j'ai un ami qui a un magasin là-bas. Je vais prendre ton bissap, je vais pas mettre là-bas. Crois-moi, ta patronne là, elle veut. Si elle est prospère dans son cœur, elle va t'aider à mettre ça là-bas. Elle va même te donner les conseils pour que tu fasses. Sarah, c'est la force. Tu m'as dit de manger la tomate, j'ai compris, non? Hein, chérie? Tu me forces encore, sa maman. J'ai l'impression que tu entends mettre la tomate sur ma bouche, tu me dis de l'aval. J'ai compris, chérie, tu as compris? Tu manges la tomate, magie. J'ai compris. Hmm? Donc, il y a les gens, tu peux voir 100 riches. Il y a des gens qui sont riches physiquement, mais spirituellement, en esprit, donc, ils ne sont pas riches. Financièrement, ils peuvent donner, ils donnent. Généralement, ce genre de personne-là est très radine, ne va peut-être pas t'aider ou te conseiller. Va vouloir crâner, je ne sais pas comment on peut dire, se faire voir.
Ça, c'est généralement les signes des personnes qui ont l'argent, mais qui ne sont pas prospères dans leur esprit. Tu vois, souvent, ce genre de personne va très maltraiter sa femme. Elle fait, oh, tu ne sais pas que j'ai acheté ça cher? Hein? Pourquoi tu... Oui, ce n'est pas une généralité chez tout le monde. Mais généralement, quelqu'un qui a prospéré, qui est monté, il a toujours l'envie de faire monter les autres. Et il peut comprendre par quoi tu passes. Parce que il est passé par là. Et c'est déjà la personne qui sera toujours en train de vous conseiller. Par exemple, il y a un autre frère, père à son âme, Gabriel Landi. Je l'ai rencontré une seule fois. J'avais mon école au Cameroun. Mon école depuis en 2021, on travaillait au parcours Vita. Nous, il venait s'entraîner là-bas. Ce qui fait qu'il nous voyait souvent. Tu ne pouvais pas lui parler une minute sans qu'il ne te conseille. Non. Toujours en tête, il dit que fais comme ça, fais comme ça. Oui, je vois. Et il allait toujours ajouter sa vision sur ta part, sur ce que tu fais. Ou comme tu te vois là, bon, après, quand tu vas quitter, si tu veux m'aller ouvrir, tu vois même une grande école de l'autre côté, non, tu fais comme ça là. Oui. La prospérité, c'est d'abord de vouloir le bien des autres. Je différencie cela des personnes qui viennent pour vous appauvrir. Tu viens d'arriver en Europe, tu as décroché ton premier boulot. C'est maintenant toi qui dois t'occuper de la maladie de tout le monde. Tu as tes oncles et tantes. Ils veulent que ce soit toi qui envoies l'argent que pour t'occuper de leur mère. Non, ce n'est pas en vidant ton argent pour leur donner. Parce qu'au départ de la prospérité, tu investis sur toi. Tu investis sur toi. Oui. J'ai des pourcentages ici. J'ai mis ça dans une vidéo qui est sur TikTok actuellement. Donc voilà les pourcentages. Je vais vous les partager. Non, pas pour les mamines modernes. Yeah, mais les femmes de milliardaires, pourquoi tu allais m'acheter le jassi? Ah yeah, merci beaucoup ma chérie. Donc j'ai posté ça sur ma page ce matin. Si vous allez regarder, économiser pour devenir riche, partie 1. C'est ça que j'ai mis là-bas. Ok. Les pourcentages sont les suivants. Supposons que tu touches 100 000 francs. Ta famille va commencer à te vouloir que tu leur donnes au moins 20 000 par mois. Erreur. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce que tu fais, c'est quoi? 10 000, c'est pour ta dîme. 5 000, c'est pour ton offrande ou tes dons. Si tu fais le don aux orphelins. 25 000, c'est pour le loyer. Si tu peux faire moins que ça, c'est bon. Si tu peux aller dans une chambre de 15 000, c'est bon. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Grâce. Si tu dois, parce que beaucoup d'entre vous, vous devez aux gens. Au départ de la prospérité, on fait le salaka. À part le salaka, tu dois avoir un plan d'action. Beaucoup d'entre vous n'avancez pas parce que vous n'avez pas un plan d'action. Tu fais le salaka. Tu as touché tes 100 000. Ta tante vient. Hé, hey, ma fille, j'ai un problème de 30 000 là. Quand tu veux toucher tes 100 000, c'est dans ta main. Tu sors 25 000, 30 000, tu donnes à ta tante. Bon, tu peux considérer que c'est mon salaka, non? Tu n'es pas en train d'aider. Tu ne t'aides pas. Dieu bénit les actes qu'on... Les entreprises qu'on met sur pied. Ok? Vous suivez? Dieu bénit les actes, les entreprises. La Bible dit qu'il bénira le fruit de vos mains. C'est quoi là? Il bénira
C'est dans ma Bible au salon. Josué chapitre 1. Il y a Josué chapitre 1, il y a le psaume 1. Tout ce que tu vas faire va prospérer. Il y a Deutéronome 28, versets 1 à 14. Il bénira vos entreprises. Si tu n'entreprends pas, Dieu ne bénit pas. Tu n'entreprends pas, Dieu ne. Vous me suivez? Vivi, tu m'insignes. Pour entreprendre et ne pas aller demander aux gens, je vous connais. Vous êtes des chefs demandeurs. Tonton, j'ai un projet. Je veux que tu investisses sur moi. Hein? Dieu ne bénit pas. Excusez-moi, c'est un lapsus. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je suis en train de contrôler quelque chose sur mon téléphone ici là. Prenez seulement ce que j'ai dit. Vous corrigez. Que t'entends? Entre quelqu'un qui vient dire, tonton, j'ai besoin de 50 000 pour lancer mon business. Il n'a encore rien, tonton. Et quelqu'un qui vient dire, tonton, j'ai besoin de 100 000 pour mon business. J'ai déjà mis de côté 60 000. Vous pensez que l'oncle là est plus... Même vous-même qui m'écoutez, vous êtes plus apte à bénir qui? À compléter l'argent de qui? Hein? Vous êtes plus apte à compléter l'argent de qui? Il n'est pas le seul, non. Tane n'est pas le seul. J'ai parlé seul pendant des années. Maintenant que vous avez rejoint ma solitude, donc continuez de parler. C'est celui qui a déjà un peu que tu as plus de... C'est normal. C'est naturel. Parce que tu vois quelqu'un qui fait déjà des efforts. Alors que le chef mendiant va venir. Et tonton, je n'ai même pas. On sait que vous avez. La chaussure qui est dans ton pied d'abord, c'est combien? Tu viens avec la chaussure de 30 000, me demander de t'aider, de te donner 60 000. Hein, chérie? Tu mets la chaussure de 30 000, tu veux me demander de t'aider, de te donner 60 000. J'étais tête à distance. Tu me demandes l'argent pour aller faire le blanchiment de tes dents. Continuons. Salut Odette. Donc, tu reçois 100 000 francs, ta dîme 10%, ton loyer 25%. Contacte les gens à qui tu dois. Dette, paye 15% par mois jusqu'à ce que ça finisse, même si ça fait 5 ans. Tu économises 25 000 ou bien 20 000. Ta nourriture, tu fais l'effort de dépenser 15 000 le mois. Transport, 10 000. 5%, c'est pour donner aux gens. Il y a certains moments que tu n'es pas obligé d'acheter quelque chose. Tu es obligé d'acheter la vie. Tu es obligé. Hein? Oh, la chaussure ici ne va pas avec le haut là. Il faut acheter une nouvelle chaussure. Non, on ne négocie pas la dîme, normalement, de ce que je connais. Au début, quand tu mets ça sur pied, ce que je viens de vous expliquer ici, merci Brazzaville. Tu cales et tu programmes tout ton argent pour ne pas le dépenser n'importe comment.
Tu bloques ton argent pour ne pas le dépenser en désordre. Oui. Vous connaissez, vous êtes fort pour ça. Tu as l'argent dans ta poche, tu touches comme ça là. Tu passes le poisson sans. Poisson brisé. Mais alors, moi, je le poisson brisé. Tu arrives au bar. Bon, on a mangé. On a bu une seule bière. On ne peut pas rentrer seulement après avoir bu une bière. Augmentons. Et c'est toi qui payes. Hein? C'est toi qui payes. C'est comme ça que tu sors l'argent. Tu payes. Tu payes. Après, tu rentres. Les 10 000 que tu aurais pu économiser le mois, là, tu as fini ça. Hein? Tout ça pour qu'on te donne les atalakos. Pourquoi on te donne les atalakos? Et après, la petite, là, elle ne te donne même pas ce que tu calculais derrière. Supposons quand ton argent est sorti, tu avais déjà planifié. Je dois manger 15 000 le mois. 15 000 par mois, ça veut dire que c'est 500 francs par jour. Quand vous comptez même là, vous vivez au-dessus de vos moyens. La majorité des hommes là-dedans vivent au-dessus de leurs moyens. La majorité. Parce qu'ils ne savent pas pouvoir réellement comment ils dépensent leur argent. Vous qui m'écoutez là, vous ne connaissez pas comment vous dépensez votre argent. Le loyer, voilà, l'argent part beaucoup sur le loyer, la nourriture, les achats d'habits et les dépenses imprévues là. Avec la famille qui vous menace souvent, oh, telle personne va mourir dans la famille. Il faut que tu envoies ta participation. Comptez combien vous dépensez par mois là-dessus. Comptez. Ah. Vous verrez que vous aurez pu faire autre chose avec depuis longtemps. Le mois, c'est seulement tu as envoyé 250 euros au pays. Les 250 euros que tu as envoyé là. Ton salaire, c'est 1350 euros. Donc, tu as pris presque le 1/5 de ton salaire. 1/5, c'est 20% que tu as fait un don à quelqu'un avec. Là-dedans, tu vas prendre combien pour payer le loyer? La nourriture. Vous aimez manger le héros tous les jours. Le héros qui prend 50 euros pour préparer là. Hein? Bon, je parle seul, non? Je parle seul. Je n'ai pas encore reçu le colis. Et dire à la logistique que chaque jour que ce colis reste, que je n'ai pas en ma main, je les pénaliserai. Donc je ferai le nombre de jours et ils seront pénalisés là-dessus. Tant que tu ne te remets pas en question, et tu ne remets pas en question ce que ta mère t'a appris, ce que ton père t'a appris, tu vas continuer à dépenser ton argent comme une folle. Après tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Je n'arrive pas à économiser. J'ai les mains percées. Tu n'as pas les mains percées, tu es dépensière. Hein, chérie, tu es dépensière, c'est tout. Tu es dépensière. Rien d'autre à ajouter. C'est comme ça que quand un besoin se pointe, tu n'as pas l'argent. Anybody who does not believe in me was sold before conception. That is too much.
That one is too strong, oh. Hmm? It's strong, oh. Le gars vient. On ne prépare pas pour le dragueur avec son propre argent, ma chérie. On ne prépare pas pour le dragueur avec son propre argent. Ah, Jesus. Envoyez-moi alors, Ricosson. J'attends. Non, non, pour refuser, tu dis que je n'avais pas mis dans mon budget pour ce mois. Je n'avais pas mis. Je ne veux pas. J'ai un gabonais dans ma vie. Oh. J'ai un gabonais dans ma vie. Il me faut un ivoirien. Dans chaque pays, je dois avoir une personne du pays là. J'ai déjà mis ça ici officiellement que je suis une femme avec plusieurs maris. Quelqu'un te drague? Il dit qu'il vient chez toi. Oui, à un moment, l'argent, je prépare. Si tu viens au Gabon, tu vas caler ici. Non, je suis installé au Gabon, papa. Je suis installé au Gabon. J'ai même mon magasin au Gabon. Vous allez me bloquer en Côte d'Ivoire. On va voir que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mais je sais qu'un seul ne peut pas me suffire. J'ai besoin de changer comme je change les chaussures. Lundi, si Pierre me dérange, mardi, je parle avec Jérôme. Mercredi, je suis avec l'autre. Après, je reviens encore un peu sur Jérôme. Je dis que bonjour, tu disais même que quoi. On ne laisse pas quelqu'un d'autre côté. Tu peux assumer. Tu peux assumer financièrement. Hmm? Il dit que bébé, ne paye pas mon billet. Mais accompagne-moi pas dans tel endroit. Tu peux pas. Donc, tu as dû rester là où tu es. Je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Continuons les choses sérieuses, pardon. Pour me laisser. Quand tu mets tes plans sur pied, l'argent que tu économises, ce n'est pas pour donner à quelqu'un. Ce n'est pas pour que le bon gars vienne, il te parle. Dès qu'il t'amadoue un peu comme ça, là, tu sors tes économies de 8000 euros, tu lui donnes. Non. Stop it. Attendez, vous gifle un peu. Stop it, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it. Arrêtez. Et c'est facile pour la femme souvent de parler. Oui, j'ai mes économies de 8000 euros. Voilà. Un soir, il va te donner le chocolat jusqu'à. Quand il est encore sur toi, là, comme ça, là, il te regarde, bébé. J'ai mon business, je veux que tu investisses sur moi. Ma chérie, tu peux rien faire. Il est dans toi. Il est ancré dans ta peau. Oui. Tu commences à voir que tu es sûr que tu vas me donner. Tu es sûr que tu vas me remettre mon argent. Il dit oui, bébé. Il te regarde comme ça sur le lit. Il se tient comme ça là. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Hey! On m'a fait ça du. Oh là là. Tu es ma femme. Je t'aime. Je suis là pour toi. On peut faire. Les filles qui rient là, on vous a déjà fait ça. On vous a fait ça. King, tu conduis. Il ne faut pas me suivre en conduisant.
Tous les filles qui rient là, Louise, Ange Amour, Laetitia, vous toutes là, Candy, Baril, oui, que regarde-moi dans les yeux. Il filme le slow. Darling, faisons l'amour ce soir. Tout le éveillé dans le noir. Car ton corps m'appelle. Néné. Ah. Après, tu sors, tu vas chercher la nourriture. Il dit, bébé, je ne peux pas aller manger à la cuisine. Viens avec ça dans la chambre. Deuxième coup. Tu cries jusqu'à ta pas bien et... Après le deuxième coup, tu en criant, tu dis oui, je vais te donner, oui, oui, je vais te donner tout, je vais te donner, je vais te donner. Dès que tu finis là, tu ouvres ton compte d'épargne sur ton application. Tu ouvres. Ok, bon, tu vas partir à ma banque, non? Vous allez m'insulter avec quoi sur la toile? Vous allez utiliser quoi pour m'insulter? Mon histoire, je la raconte ici tout le temps. Je m'en fous. Un gars m'a largué parce que j'avais refusé de lui donner mon argent. Ma copine. Ils sont forts pour ça. Félie. Ma copine. Quoi? Les femmes qui me suivent en sous-marin, là, vous ne commentez jamais mes vidéos. Rions ensemble. Faites un petit rire pour moi. Quand tu as déjà fait ça dur, tu arrives. Ouais. Il fait ça n'importe comment. Il met dans toutes les positions ta bouche fermée. Après, il dit, ouais, bébé, tu fais comment alors? Tu dis quoi? Bébé, tu dis quoi alors? Hein? Tu n'as jamais l'argent pour un gars. Nadège, on est seulement devenu intelligente après, non? Il met le pépé sur ça. Ma chérie, il a envie de chercher sa vie. Il se cherche. Vous avez fini de construire la maison, il te dit de libérer. Il te calculait depuis, ma chérie. Il te calculait depuis. Ah, tu payes ta dîme maintenant, hein? C'est super. Colette, tu as dit que tu partais te laver, non? Va te laver. Mince. Il fait, tu restes comme ça là. Tu fermes la bouche, tu en seras là. Ça ne souffre pas, tu en seras là. Comme ça. Il dit, ouais, bébé, tu dis alors quoi? Tu dis quoi? Voilà, tu sais que je t'aime. Mais vraiment, je suis dans l'impossibilité de te donner. Vraiment, je n'avais pas prévu ça maintenant. Apprends qu'un homme peut te plaire, tu ne lui donnes rien. Même préparé pour lui, tu ne prépares pas. Parce que tu ne peux pas avec ton argent, chérie. Hein? Souvent, il faut dire, achète, j'arrive, je vais te rembourser. Dès qu'il arrive, tu lui demandes. Oui, vis-moi alors l'argent là. Il ne vit pas, tu commences à te fâcher. Et si pas, il ne vit pas, c'est bon. Écoute, c'était bon. Et il y a les montants qu'on ne dépasse pas. Tu n'achètes pas quelque chose pour toi plus de 15 000 ou 20 000. Tu rentres, tu me rembourses. Et la prochaine fois, tu payes en avance. Tu ne payes pas. Quand tu sors de ma maison là, c'était bon. Ou de mon bureau. Il dit que tu n'as pas encore quitté le gars parce qu'il ne t'a pas payé quelque chose. Monsieur, c'était bon. Il y a une amie qui a
qui m'a quitté à Abidjan pour Ngonia avec un petit frigo pour le gars. Je comprends pas. J'ai une amie qui n'a. Je comprends pas. Je ne veux pas me casser par la tête quand vous écrivez votre pardon. Si quelqu'un comprend ce qu'elle dit, la personne écrit encore. Déjà que TikTok, les écritures de TikTok sont tout petits comme ça, là, donc il ne faut pas me déranger, pardon. Je ne comprends pas ce que tu as écrit, ma chérie. Moi, j'ai grandi comme ça. Moi, c'est à moi qu'on donne. Je voulais, ah, tu voulais même changer. Tu changes pourquoi? Vous avez aussi la famille maintenant. Que wow. Et vous devez apprendre à avoir la lucidité sur vos choses. Quand quelqu'un te dit peut-être que non, paye, je vais venir rembourser. Il arrive, il ignore. Crois-moi, la personne connaît qui doit te rembourser. La personne connaît. Et Seigneur. Souvent dès qu'il arrive, oh, tu es belle aujourd'hui. Ah, tu es belle. Elle a quitté Abidjan pour une autre ville avec les empêtes pour les gars. Ah, les empêtes, c'est quoi les chéris? Ah, tu es belle les chéris. Oh, vraiment, il t'ambiance parce qu'il ne veut pas que tu évoques. Dans vos relations aussi, que ce soit oncle, tante, vous devez développer l'art d'apprendre à dire non. Il ne te traite pas de matérialiste, chérie. Tu as retiré ton argent pour te donner pour quelque chose. Maintenant, lui, il doit te rembourser. Ok? Ah, elle a fait les courses pour lui. Hey, Seigneur Jésus, les femmes font les choses. Yaourt, beurre, œufs, biscuits, mayonnaise. Hey! Jesus is Lord. Tu vas le faire grossir. Tu l'engrosses. Hmm? Voilà l'autre. Je te désire. C'est fou, hein. Paye une consultation. La consultation, c'est 80 000. Comme ça, on peut parler pendant la consultation. Il me dit que je te plais. Tu restes comme ça, là. Dépassé. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Oh, j'ai peur. Tu as peur d'être seule? Tu as vu une fille morte parce qu'elle est seule? Cause de la mort. Solitude. Heure du décès. 2 heures, il faisait froid. Non. Et les mamans de 45 ans qui m'écoutent, elles ne peuvent pas te tomber encore. Ce n'est pas l'âge qui fait que tu deviennes sûr de toi. Un nom. L'argent que j'ai économisé, c'est pour faire. Combien de fois j'ai eu des femmes peut-être qui sont venues en consultation? On a construit la maison ensemble. On a fait ceci ensemble. Après, il a porté tout. Il est parti avec. Hmm? Demain, là, un autre va encore te rencontrer. Si tu fais la même chose, il va encore vouloir te faire la même chose. Oui. Il y a les hommes qui n'ont pas peur de demander l'argent à une femme. Il y a les hommes qui n'ont pas peur. Tu sors le matin, tu vas bosser, tu vends, tu es dans le magasin, tu vends. Il arrive, il voit, tu es occupé. Après, il ouvre la caisse, il voit 300, 400 000. Oui, j'ai un petit de 50 000 là. Quand tu as la
l'argent, chérie. Priorité, payer tes employés, payer tes fournisseurs, donc ta marchandise. Si tu as les enfants, mettre sur tes enfants. Et toi? Mais en tant qu'entrepreneur, généralement dans les débuts de l'entrepreneuriat, on se focalise tellement sur le business que même soi-même, là, on ne se donne pas. Les urgences des gens ne sont pas tes urgences. Et quand tu commences à développer un caractère d'intégrité, tu ne cherches plus à faire plaisir aux gens. Tu ne veux plus que ta tante dise que « Oh, je t'aime beaucoup » parce que tu lui as donné de l'argent. Tu ne cherches plus que ton « Non, je ne veux plus vous faire plaisir. Ne m'aimez pas, je m'en fous. Ne m'aimez pas. » Combien de personnes déjà me détestent ici dehors? Allez vous asseoir dans la salle d'attente. Asseyez-vous dans la salle d'attente. Prenez ticket. Les 500 premiers tickets sont pris. Quand tu as ton intégrité et ta vision, tu ne cherches plus à faire plaisir aux gens. Souvent, tu restes comme ça là, tu pars chez la tante. La tante veut te prendre, que tu restes là-bas combien d'heures? Tu dis que non, tata, je dois partir. Tata, je dois partir. Mais non, 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 tata, je dois partir. Prochaine fois, tu ne passes même pas chez elle. Voilà le deuil. Que wow, elle n'est pas venue. Tu l'avais dit, fait trois jours sur le lieu du deuil. Tata, je travaille. Tata, j'ai créé mon entreprise. Voilà le truc que la famille n'aime pas entendre. Oh, oh. Depuis que tu as créé l'entreprise, plus que qui? Non, tata. N'engagez même pas les débats, en fait. Ça manque de respect, mais vraiment, tu avec courtoisie, tu dis, je ne peux pas venir. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Apprenez à dire non avec votre temps. Apprenez à dire non avec votre argent. Apprenez à dire non avec votre temps. Apprenez à dire non avec votre argent. Apprenez à dire non avec votre temps. Apprenez à dire non avec votre... J'ai répété ça trois fois. Parfois, tu as prévu de bosser une soirée. Ton gars veut t'amener à venir avec ses amis chez toi manger. Il ne finance pas la nourriture, la boisson, et il prend ton temps. Quand ils vont partir, tu vas passer 2 heures de temps à nettoyer. Je ne suis pas à la maison. Ce sera un télétravail. Si vous forcez, vous ne venez pas dans la chambre. Et on les assiette ça là-bas à la cuisine. Si tu veux, tu vas nettoyer, tu ne peux pas pour tes amis. On dit que ah, c'est une bonne femme, et ta copine là, c'est une bonne femme. Et toi, l'ami pauvre là, tu es venu chez moi, tu as même apporté le jus. Le jus de 500 là, tu ne peux pas acheter ça pour venir avec? Est-ce qu'on vient chez Jean manger bras ballants? Hein? Écoutez, c'est comme ça qu'on est vieux. Voilà, c'est ça, Olivia. Les longs appels inutiles. Elle parle, petite, on a encore quoi à se dire? les amis pauvres là, j'ai mangé ma nourriture. Achète-moi le jus de 500, non, tu montes avec, voilà le jus. Non. Après, tu sais, mais mon ami a dit que tu es bien. Hein. Bonjour, petit oiseau, ça va? Tu veux me parler? Ah. Tu m'as vu dans tes rêves, je faisais quoi? Mon ami te trouve bien, hein, vraiment. Il dit que je dois t'épouser. Comme si c'est un. L'opinion de ton ami, je m'en fous. Mon ami t'apprécie jusqu'à. Hé, hey, Paris, on t'a déjà fait ça. Je fais quoi avec l'opinion de ton ami? Tu te consoles avec ça. Mais ma soeur t'aime jusqu'à...
Le jour où il va te lâcher, c'est sa soeur là qui va te bloquer en premier. Ou bien sera sous tes statuts. Elle voit, elle ne commente pas. Elle en sous-marin sous tes statuts. Tu avais un mec, il a des amis pauvres. Tu es la prochaine pauvre dans ses amis. Hein. Tu es prochaine sur la liste, chérie. T'as pas de récompense, c'est ça. Non? C'est tout ce qu'ils disent aujourd'hui, elle va t'épouser. Donc, comprenez maintenant. Ton argent, tu l'économises, c'est pour tes business. Tu prends ici, tu investis encore. Souvent, il vient le soir, il te parle de ses problèmes. Et toi, tu ne lui parles jamais de tes problèmes. Hein. C'est comme si c'est dans votre tête aujourd'hui. Il fait qu'avoir des idées sur vous. Ah, tu veux parler de tes problèmes, pourquoi? Tu veux parler de tes problèmes, pourquoi? On va savoir. On ne parle pas de tes problèmes. Ne me parle pas de tes problèmes. Oui, je suis partie là-bas. Oui, j'ai perdu 4 millions. C'est pourquoi tout à l'heure, tu ne lui demandes pas l'argent. Il ne veut pas que tu demandes l'argent. Il ne veut pas que tu lui demandes l'argent. Il ne veut pas. Si quelqu'un veut te dire qu'il a perdu 4 millions dans la journée là, merci Lorraine. Comment tu auras le courage de venir lui demander l'argent? Pourtant, lui, il peut avoir le courage de venir te demander l'argent si tu lui dis que tu as perdu l'argent en journée. Mm-hmm. Ça, c'est de l'huile de rose. Huile essentielle. Jasmine and Rose. Sérieux. Il sait que comme il t'a dit là, après, quand tu as tes soucis, tu n'auras pas osé venir lui dire. Tu ne vas pas oser, chérie. Tu ne vas pas oser. Tu ne vas pas oser. Tu ne vas pas oser. Et tout ça, ça fait partie des stratégies des gens qui vous sucent l'argent. Ils ont des stratégies. C'est comme si pas dans une école, on les forme. Et ils jouent toujours sur votre bon cœur. Je ne peux pas quand même lui dire que ma voiture est tombée aujourd'hui en panne. On me demande 300 000 pour réparer et elle me laisse comme ça. Maintenant, tu vas demander que ouais, tu vas faire comment pour arranger la voiture. Mamie, il te dit, tu écoutes, tu ne dis rien, tu ne réagis pas. Tu es là pour ça. Vraiment, tu t'imagines? Vraiment, comment ils ont fait ça? Ils ont gâté le truc arrière, le feu arrière. Vraiment. Non, non, moi j'étais très en colère là-bas. Dès que il fait la pause, il attend que tu réagisses. Tu fais comme ça là. Vraiment, tu t'imagines. Imagine-toi les choses comme ça. Tu le regardes. Donc, pas d'expression. Pas genre, tu es fâché ou bien tu es contente, genre, non mais pourquoi, comment est-ce qu'il peut faire ça vraiment? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça sur ta voiture? Non. Ça, c'est un peu trop dur. Après, tu prends ton téléphone. Non, je t'écoute, vas-y, je t'écoute, vas-y. Et t'écoute. Tu passes sur TikTok, tu baisses le volume.
Tu regardes sur TikTok. Quand il va voir que tu as d'autres intérêts en d'autres choses, ça va un peu le déranger, hein? Mais tu ne cèdes pas. Quand il finit, tu dis, bon, on va manger quoi ce soir? Hé, hey, God Gif, non, il ne faut pas rire. Tu vois là les changements dans ta vie, c'est super. Dis-moi, on va manger où? Merci Lorraine. Tu es là, tu es imperturbable. Parce qu'il faut avoir accès à tes émotions. Les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Tu peux lui expliquer ton problème du matin au soir. À la fin, là, il oublie ton problème. Mais toi, comme tu es attentionné, elle est chérie, tu es attentionné. Tu n'aimes pas savoir que quelqu'un souffre, tu ne fais rien. Merci Nyota. Bon, j'ai un ami là qui va t'aider. Oui, il peut arranger à crédit. Tu l'envoies chez ton ami pour qu'on arrange son pot de phare. Il arrive là-bas, il prend le crédit, il ne rembourse jamais. Ça te gâte avec ton ami. Ton ami t'appelle finalement. Ah, comment tu peux m'envoyer quelqu'un qui ne va pas bien réparer ma voiture? Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux m'envoyer quelqu'un qui je repasse sa voiture, il ne me paye pas? Maman, pourquoi tu fais ça? Oh, hein? Il a gâté ta relation. Hein? Destinée, bonjour. Bonsoir Asita. Vous avez suivi, non? Parce qu'on dépense notre argent généralement par les émotions. Quand tu vas commencer à maîtriser tes émotions, tu vas mettre les valeurs de droiture, de justesse. Tu pourras maintenant commencer à développer ta vision pour voir là où tu pars. Et tu vas commencer à mettre des étapes progressives. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Je vais y arriver. Écrivez ici, je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu es content. Tu as un grand problème. Je ne suis pas ici là pour te résoudre les problèmes des gens. Personne qui veut t'extorquer de l'argent est ton ennemi. Répète. Répétez après moi. J'ai dit quoi? Toute personne qui veut m'extorquer de l'argent est mon ennemi. Répète après moi, ma chérie. Toute personne qui veut m'extorquer de l'argent sans retour, sans me donner quelque chose qui va me faire grandir est mon ennemi. Et le sexe n'est pas ton là pour te faire grandir. Donc ne crois pas que, ok, bon, si elle me donne mon argent, après me faire l'amour, c'est pas ça. Toute personne qui veut m'extorquer de l'argent, peu importe la forme,
qui veulent votre argent là. Oui, il faut l'argent pour faire ça. Oui, il faut l'argent. Regardez dans votre quotidien. On dépense beaucoup d'argent. Hein. On dépense énormément. On dépense énormément. Oui, il y a eu un imprévu en route. Oh, il y a eu plutôt ça à faire. Il y a eu peut-être plus ça. Non, oui, il y a encore plutôt ça. They want your money. Nathalie, merci. On fait encore payer telle chose. C'est pour ça que je privilégie mes employés qui me... Soit tu me rapportes de l'argent, tu m'apportes de l'argent, soit tu m'aides à économiser de l'argent. Voilà les employés que je ne peux jamais me débarrasser de vous. Je ne vais pas te renvoyer, tu vas rester. Tu me rapportes de l'argent et déjà. Comment? Quand? Pourquoi? Même lors des réunions qui paraissent importantes pour mes collaborateurs, moi j'insiste toujours. Le but de cette réunion, c'est quoi? On est là pour faire quoi et quoi? Parce qu'il y a des collaborateurs parfois qui aiment trop parler. Ils aiment bavarder. À la fin de tout son bavardage de 20 minutes là, il n'a pas donné un plan d'action. Je n'aime pas. Tu lui confies une mission comme ça là. Il tourne. Il prend 5 heures de temps pour faire quelque chose qu'un autre de ses collaborateurs aurait pu prendre 30 minutes pour faire. Il part en partant, il ne prend pas son téléphone, il faut l'appeler, ça ne passe pas. Il fait 3 heures de temps, il revient. J'avais oublié mon téléphone. Oui, il te donne un compte rendu. Tu veux discuter, tu le renvoies encore chez le commerçant pour qu'il dise le prix que tu as demandé. Mais tu es bête, je ne peux pas te garder moi. Te garde pas. Ici, on ne pense pas trop au match. Yeah, you send away. Elle a dit qu'elle a renvoyé un ami ou c'est une amie qui lui demandait de l'argent. Les gens n'auront pas peur de venir vous demander de l'argent. Et ça me met mal à l'aise quand quelqu'un me demande l'argent. Je préfère te payer pour un service que tu me rends. Dis-moi, tata, est-ce qu'il y a un truc que je peux faire, tu me payes. Tu n'as pas me dit aide-moi. Je vois d'abord la posture que tu prends devant moi. Après, je réfléchis comment te refuser. Alors moi, je n'accepte pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas la CAF, moi. Je ne suis pas la CAF. Bonjour, la CAF. Oui. Non, je ne suis pas la CAF. Hein. Je ne suis pas la CAF, moi. Voilà, je veux 2000. Tata, je veux. Tout ça, c'est pourquoi on disait que tu es une bonne tata, non? Oh, tata, tu es gentil. Tu manges ça. Ça paye ton loyer. Pas un peu. Voilà le premier qui arrive. Va voir ton bailleur. Hé, hey, monsieur le bailleur, que vous êtes beau. Que votre plumage se rapporte à votre ceci. Vous êtes le plus beau corbeau de tous les bailleurs qui existent. Va faire le corbeau, le renard sur le bailleur, là, on va voir. Hein? Flaque le corbeau, le renard, ton bailleur. Flaque-le un peu en vous. C'est vous qui êtes bête. Va faire le corbeau, le renard, ton bailleur. Non, moi, je suis devenue... quand elle voit qui je suis devenue, je suis contente. I'm proud of myself. Les relations les plus difficiles pour moi à dire non avant, c'était premièrement relation amoureuse, deuxièmement les amis. Tu vois, peut-être quelqu'un avec qui tu as partagé les détails intimes de ta vie et quelqu'un qui était là quand tu étais vulnérable. Et après, cette personne
Je me demande toujours que tu vois même comment jusqu'à venir me demander l'argent. Comment? Hein? Le nez qui va épater, tu vas comprendre. Non! Les relations amicales sont plus compliquées que les relations amoureuses. Ça, c'est vrai. Oui, tu es là à quelle heure? Oui. Mais... Moi, je peux trouver mon chemin pour partir là-bas. Si tu sais que tu seras en retard. Hein? Va chercher mon père, envoie-moi mon fils. Ok. Mais il fallait nous dire ça depuis. Ce qu'il est là venu ici, appelle-le, tu lui dis de venir, pardon. Non, à peine de finir, moi, je, tu sais, vous connaissez, non, je ne prends pas les excuses. Absolument pas. Je n'aime pas mettre les gens dans mes choses. I don't take bullshit, man. I don't take it. Détachement, c'est pour te détacher. On t'a, il y en a parmi vous, on vous a attaché. Divorce spirituel, c'est comme tu dis là, vous allez marier spirituel et femme spirituelle. Oui, tu bouges à quel moment? On part comment? Dis-moi. Ok, pas de problème. À quelle heure? Il n'y aura pas d'embouteillage. D'accord, pas de problème. Donc tu passes me chercher, non? Tu prends, tu viens, tu veux me chercher. Oui, je suis à la maison, je suis à la maison. Il faut venir tôt, on part à bon manger. D'accord, tu m'amènes quelque part, c'est toi qui connais les endroits. À tout à l'heure. Mais viens à 18h quelque chose, non? Moi je ne connais pas beaucoup d'endroits à Abidjan. Hein. Viens à 18h30, tout à l'heure. Divorce spirituel. Non, 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 je n'ai pas encore envoyé les vidéos. Vous aurez ça lundi. Ok? Le problème n'est pas d'être entouré d'amis, mais de choisir. Très, très important. C'est vrai. Bertin, merci. Bonjour, Bertin. Ah. Et qui est Roxane? Tu viens t'engueuler avec les gens ici. Tu sors, c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté quel endroit? Non, je vais au match, je vais voir le match. Je t'ai fait un détachement et je t'ai lu les cartes et je t'ai encore demandé de faire un détachement. Oui. Parfois, quand je travaille sur vous, ce n'est pas un seul travail. Merci, Étienne. J'ai compris pour le téléphone. Je disais que les relations amicales sont très difficiles à gérer. Parce que ce sont les personnes qui connaissent ton intimité.
sont les personnes qui connaissent ton intimité. Ok? Ce sont les personnes qui connaissent, qui ont écouté. Quand tu étais mal, tu pleurais. Quand tu étais dans la douleur, ton gars te manquait, je ne sais pas trop. C'est eux que tu as appelés. Donc, si tu n'as pas des amis qui sont justes et qui ont développé une... qui ont des principes de base très, très ancrés, ils vont venir demander à chaque fois prendre, ne rien donner. Et à la fin, tu vas te sentir utilisé. Parce que le jour où ils vont te demander quelque chose que tu ne vas pas donner, c'est là que vos problèmes vont commencer. C'est là que vos problèmes vont commencer. Parce que ça développe aussi la jalousie. Et sans le savoir, parfois vos amis peuvent vous indirectement, vous commencez à demander trop l'approbation de vos amis. Tellement l'approbation que vous voulez toujours leur faire plaisir. Oh, qu'est-ce qu'elle va en penser? Merci Candy. Qu'est-ce qu'elle va en penser? Oh, j'ai fait ça, j'espère que... Tu appelles, tu dis, quand tu vois la personne, fait, oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc, tu quittes peut-être de ton gars qui te dominait et tu viens maintenant, c'est maintenant ta copine qui te domine ou ton ami, ou bien je ne sais pas. Oh, Roxane, attends, je vais te bloquer. Voilà. Mais attends, je n'aime pas qu'on se moque des gens, je n'aime pas. Et vos valeurs doivent être tellement ancrées en vous, si bien que même si quelqu'un est injuste avec vous, vous n'avez pas besoin de saboter la personne, vous n'avez pas besoin de riposter, vous n'avez pas besoin de... Parce que vous savez qu'il y a la justice divine. Et parfois, vous devez savoir ça, vous devez détecter ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est la priorité pour toi? Peut-être dans cette saison, même si ça va me coûter que je n'ai pas d'amis, je me concentre sur ça. Et c'est ça que je fais. Tu ne nous visites plus. Hein? Tu ne nous cherches plus. Tu te prends pour qui? N'est-ce pas que tu es arrivé? Ça, ce sont des attaques. Lorraine, c'est bien parce que je crois que tu as déjà développé certaines choses en toi. Tu le sais. Tu le sais. En évoluant, mais obligé, tu vas perdre des amis. Allô? Oui, allô? Nous, on part à 18h30. On va aller manger d'abord avant de se rendre là-bas. Merci. Et j'attends toujours que tu m'envoies le reste de mon argent. Hein. Merci. N'accrochez pas votre sac là, vous ne pouvez pas décrocher.
Moi, je bousille mes amitiés à cause de l'argent. Je gâte tout ce qui ne blague pas. Je gâte. Ho ha. Je ne veux pas me réveiller à 3 heures pour aller pisser. Tu es dans mon esprit. Ah, pourquoi il m'a fait ça? Je suis devenu me rembourser mon argent et tout. Pourquoi? Je vais aller pisser en paix. Je pisse avec les yeux fermés. Je paye ma couche, je dors. C'est comme ça. Affaire d'amitié, là. C'est comme si c'est les gens qui ont l'impact sur toi. C'est comme si c'est les personnes qui te tiennent, en fait. Ça peut chambouler ton... Tu voulais épargner, tu laisses. Tu voulais faire un business, tu laisses. Tu voulais... Maintenant, dans tout ce que j'ai expliqué ici, il y a maintenant ce qu'on appelle le sacrifice. Donc voilà ce que tu as planifié. Parfois, Dieu, il peut te laisser faire ça pendant un an, deux ans. Tu es discipliné, tu économises l'argent, il te met maintenant une opportunité que tout l'argent que tu as économisé là va semer ça. Pour te libérer du joug familial. Tu portes des économies de 6 mois. Tu viens, tu déposes. Bam! Là, tu es en train de passer. Tu alignes le logique avec le spirituel. Tu es en train de les mettre ensemble. C'est là que tu commences à recevoir la puissance. Tu fais ça une fois. Bam! Tu économises encore, il te dit va donner un orphelinat. Tu pars. Tu donnes toutes tes économies encore. Parce que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, vous avez des. Donc vous cochez toutes les cases que je viens de dire. Mais vous êtes encore attaché quelque part. Oui. Vous êtes encore attaché quelque part. Parfois, il te donne un mentor. Quand Élie a rencontré Élisée, il a dit à Élisée, suis-moi. Élisée a laissé tout. Il a vendu ses bœufs. Il est rentré. Hein? Il a pris les bœufs dont il s'occupait. Il a tué, il a fait le sac avec, donné aux gens, ils ont mangé. Il est parti. Parce qu'il a vu que la discipline qu'il a développée, peut-être qu'il avait commencé son business, il a pris ça de son père, il a développé, il s'est agrandi. Dieu va toujours utiliser tes compétences développées dans le passé pour ta mission de vie dans le futur. Mais pour ça, il y a des choses que tu dois développer. La discipline, l'obéissance. Quand Dieu te parle, tu obéis. L'excellence. Que tu investisses l'argent. Même si ça ne marche pas le tout, si tu investis encore, ça ne marche pas. La persistance. Tu tapes ça comme ça, là, tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans. Après un beau jour, tu viens de faire un sacrifice ou une offrande, une grande offrande. Tu tombes sur quelqu'un en ville comme ça, là. Il te dit, mais attends, tu fais dans les voitures? Oh, je cherche quelqu'un. J'ai mon truc que je veux dédouaner là-bas. Je fais aussi dans les voitures. Il t'aligne 60 voitures en une semaine dans le parking, il te dit, vends. Dieu a vu tout ce que tu as fait pendant 10 ans. Tu as semé, tu as vu, tu as appris à faire tes comptes. Tes comptes sont, ta comptabilité est impeccable. Tu as appris à voir l'argent, tu ne voles pas. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas prêts quand les opportunités sont venues. Parce que vous ne vouliez pas vous préparer. Cette vidéo, c'est pour vous préparer. Quand j'enseigne, je prends toujours du temps pour enseigner. Ceux qui ont du temps, s'asseyent, ils m'écoutent. Je veux un moment que ma voix et tes pensées se mélangent. Que tu penses comme je pense. Ok. On a terminé. Je vous remercie d'avoir écouté. Abonnez-vous. Ou bien ne vous abonnez pas, je m'en fous. Abonnez-vous. Follow me. Don't follow me.
Follow me, don't follow me. Vivez votre meilleure vie. Détectez les gens qui vous bloquent. Détachez-vous d'eux. Le cœur, c'est un organe. Le cœur est fait pour pomper le sang. Ce n'est pas fait pour aimer les gens qui te marchent dessus. Pour enlever le serpent dans ton ventre, il y a le thé pour ça. Tu prends le thé à doigts là. Ça s'appelle le thé de désenvoûtement. Ceux qui ont voulu briser les malédictions familiales, il y a le kit fondation. Vous écrivez, le numéro est dans ma bio. Vous dites, je veux le kit fondation. Le cœur, c'est pour faire quoi? Dites-moi encore. Le cœur, c'est pour... Le seul boulot du cœur, ça pompe le sang. Touchez, c'est en train de pomper. Touchez. Combien d'erreurs vous avez fait par amour? Mais je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Tu pensais quand il te faisait l'amour, chérie. Tu ne l'aimes pas. Tu peux pas. Tu es maçon, tu peux pas aimer quelqu'un qui te fait du mal. Ton corps même te dit, tu as l'hypertension depuis que tu es avec lui. Mais je l'aime. Le chocolat qui te prête, tu aimes, chérie. Va acheter le chocolat blanc, tu manges. Achète le chocolat chaud. Va chez Starbucks, tu achètes le chocolat, tu bois. Quand tu finis de boire, tu essuies ta bouche. Tu te lèves maintenant, tu sors de cette affaire-là. Tu sors de cette histoire dans laquelle tu t'es mise. 33 ans de mariage. Chaque année que tu as passé dans ce mariage, c'est toi qui as voulu. Les kits coûtent 70 230 euros. On vous livre en France, Belgique, Allemagne, tous les pays de l'Europe là. On vous livre. Kit pour les malédictions de famille, c'est 70 000 francs au Cameroun. En Europe, c'est 230 euros. Au Gabon, c'est 100 000 francs. On a la montée de Louis. Le numéro est dans ma bio. Un kiste dans le cerveau du bébé. Aïe. Tu veux m'insulter avec Jésus? Oh, tu as raison. Pour tout envoûtement, écrivez là-bas. Dans la bio, il y a le numéro. Vous prenez. La poudre à doigts, c'est 10 000. On a les produits pour les poisons de nuit, là, oui. Passez chercher ça à doigts, là. On est aussi à Abidjan. On est en Libreville. On poste au Bénin, Burkina. On poste dans tous les pays, là. On poste. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me regardez, vous hésitez. Hésitez toujours, vous avez compris. Vous avez suivi. Aïe! Comme ta prison là, tu crois que tu es en prison avec moi? Tu crois que tu es en prison avec moi, n'est-ce pas? Hein? Moi, vis-moi ma best life, oh! J'ai vu ma best life. Lors de ce jour, j'en vois, j'étais en train de regarder la roulement de la Côte d'Ivoire. J'étais en train de me faire un soin sur les pieds. Donc, je parle avec. J'ai envoyé la vidéo à un de mes amis. Il regarde, il dit: oh! Ah, j'aime quand. Il faut prendre soin de toi. J'aime quand tu prends soin de toi comme ça. Je ris, que vraiment, c'est le gars qui connaissait.
Le prends soin de moi, parce que le soin lui-même dit que, hé, hey, mamie, le soin lui-même me voit, il dit que, mamie, tu connais. Oui. Le numéro de doigt là est dans ma bio. Cherche. Cherche. Faut chercher. Le soin me voit et dit, ah, Jocelyne, toi aussi, allô? Oui. Oui. J'ai commencé quoi? Pardon? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Tu viens à quelle heure? Mais viens alors, c'est tout. J'ai faim, je veux manger. Bye. Ariane, prends le numéro, tu écris. À Douala, le numéro est dans la bio. 693 50 22 66. Lorraine, aïe. Quand quelqu'un ne peut pas me chercher, il ne peut pas acheter mes produits. Il ne peut pas utiliser mes produits. Essaye de me casser sur vous. Tu vas lui dire que prends, utilise ça le matin, le soir. Il va boire un jour, le lendemain, il va boire le soir. Il va faire trois jours avant de boire encore. Moi, je suis quitté derrière toi. Tu m'as perdu, hein? Tu m'as perdu, je suis à partir. Je suis parti comme Adam, le petit canard Adam là qui a fui. Oui, c'est que je suis comme Adam, je suis à partir. Ok. Est-ce que ton poison de nuit là, on est ensemble dedans? Ça te touche le corps, non? Est-ce que c'est mon corps? Vous ne pas avoir pitié de votre corps? Je n'ai pas pitié de ta situation, je vais avoir pitié de toi, pourquoi? Vous allez venir ici en ligne vous supplier. Venez, achetez. Qui n'achète pas. Tu as compris? Ma grand-mère, c'était ma part d'exemple là-bas. Ma grand-mère, papa, elle fait le remède. Elle met là, elle dit buvez. C'est amer. Elle te calcule quand à 22h, tu vas lui dire que ton ventre fait mal. Elle ne va même pas bouger sur son lit. Du coup, tu dis que quoi là? Va te manjava? Va te manjava? Elle est en train de regarder Inspecteur Derrick. Tu dis, maman, va te manjava? Et regarde. Après. Quand tu insistes, après 30 minutes, elle se tourne et te regarde. Ça me dit, vous avez mis le remède pour vous puger, tu t'es pugé. Tu fais comme ça là. Elle se retourne et regarde Derrick. Ma grand-mère, mon frère, elle vous traumatise. Après, Mathula commence. Mathula. Mathula avec qui l'emploi là, je suis RTL9. Ouais, c'est vers 20h, alors que c'est depuis 14h ou 15h que tu pleures le ventre. Vers 20h, elle se lève, elle prend une petite écorce comme ça là. Elle bavarde. Donc quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Elle vient lancer ça sur la table. Elle dit, si tu veux, tu bois, tu ne bois pas. Voilà ça. Et l'écorce là est plus amère que le truc pour se purger. Ou bien pour boire qu'elle t'a donné, ça me dit, tu n'as pas bu, tu ne t'es pas purgé. Après, tu fermes ta bouche. Tu lui demandes que maman, on fait comment pour boire? Elle dit que demande à ta soeur. Elle ne parle pas. J'ai grandi, on m'a toujours appris à assumer les conséquences de mes actes. C'est un truc, je ne sais pas si c'était bien ou pas bien, mais je pense que ça m'a aidé. Donc, si tu prends une décision, tu portes la décision sur toi jusqu'à la gare. Donc, si vous décidez. Beaucoup d'entre vous me suivent aux États-Unis, Canada, France. Je te suis depuis 3 ans. Tu ne m'as jamais contacté, pourquoi? Bon, tu sais, je sais que l'homme cela me bloquait beaucoup, mais fais encore 2 ans avant de me contacter, hein, mamie. Si c'est ton cadavre qui rentre au Cameroun, il n'y a pas de problème. On va t'enterrer, on va continuer à vivre, non? Eh, quand elle pense qu'elle va mourir, les gens vont continuer à vivre là. Ça fait que j'ai réfléchi vite.
Oh, ma copine m'a dit que c'est la sorcellerie que la femme l'a fait. Et quand elle parle, ça résonne dans ton cœur. Tu sais que ce que j'ai dit est vrai. Ah, mon gars m'a dit de ne plus, vraiment, de ne plus regarder tes vidéos. Ouais. Ne regarde plus. On va confirmer ensemble. Non? Oui, il a pris ma maison. On a payé la maison ensemble. Je lui ai laissé ça finalement. Tu as tout perdu. 20 ans. Tu es là. Continue, non, mamie. Je pensais qu'il manquait ce que j'allais faire pour faire les directs de 3 heures de temps. Je n'avais rien à faire, non. D'accord, continuons. Bon, j'ai terminé. Souvent, quand vous faites ensemble, vous m'appelez, je vous insulte d'abord, bien. Insulte. Et je te bombarde les prix. Le traitement que tu vas faire en 6 mois, là, je te bombarde tout ça, je te mets tout ça en 1 mois. Tu sors l'argent, tu passes, tu pars. Vous me laissez. Les mères de famille. Et là, tu souffres. Tu as les papiers. Tu es ingénieur. Tu n'as pas de boulot. Tu as la maison, tu accouches les enfants. Après, quand la maison que tu as participé pour payer, on prend la maison. Tu dis, bien, c'est moi qui l'ai amené ici au Canada. Vraiment. Après, arrêtez la bêtise, mesdames. Arrêtez. Le numéro de Douala est dans ma bio. Si tu ne veux pas chercher, tu laisses. Va, c'est dans ma bio. Je ne répète pas le numéro ici. Si tu veux me chercher, tu vas me chercher. Voilà. Arrêtez ça. Arrêtez. Oui. Vous aimez souffrir. Vous aimez souffrir. Tu veux souffrir, mamie? Souffre, non. Ok. C'est quoi? On va t'empêcher de souffrir. Souffre. Souffre. Mais il faut souffrir. Et mais je suis à Abidjan. Mon magasin est à Abidjan. Va dans ma bio, tu vas voir le numéro d'Abidjan. On est à Bellecôte. On va le sel, on va les parfums de déblocage. On va les bracelets, les colliers de protection. On va les bracelets comme ça. On travaille à distance sur vos enfants d'abord.